merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Il en reste quatre. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'argument en fait central dans la démonstration du théorème que j'ai mentionné depuis le début. C'est-à-dire, c'est un argument qu'on a inventé avec Yves Benoît, et quelque part, tout le reste est brodé autour, quoi. C'est-à-dire que le reste, c'est des choses assez classiques dans cette. Enfin, il y avait deux arguments qui sont neufs dans ce travail. Il y en a un qui est celui qui a montré que si nu chargeait pas les points, alors nu b chargeait pas les points. Et puis il y a ce deuxième argument. Voilà, et le reste, c'est des constructions qui sont assez classiques à partir de ça. Donc vous avez eu raison de venir jusqu'au bout, parce que c'est ça qui est nouveau. On a appelé ça la dérive exponentielle. Alors ça sert. Je vais vous redire où on en est. Et ça sert à combler le trou. Donc la dernière fois, j'ai énoncé une proposition. J'ai dit que je la montrerai aujourd'hui, et je vais la redonner. La situation, c'est la suivante. G est un groupe de Lie. Lambda est un réseau de G. Et mu est une mesure de probabilité sur G. Donc je noterai toujours X égale G sur lambda. Mu est une mesure de probabilité sur G à support compact. Et donc aujourd'hui, on va voir exactement où ça sert, cette hypothèse. Je vous ai dit plusieurs fois que la plupart du temps, à chaque fois que j'ai mentionné cette hypothèse, c'est pour dire aussitôt que j'en avais pas besoin. Mais aujourd'hui, on va voir à quel endroit elle intervient. Je suppose que si je note gamma mu, le semi-groupe fermé engendré par le support de mu. Voilà, je note ça comme ça. Comme ça, on ne sait pas si c'est sous-groupe ou semi-groupe, mais ça n'a pas d'importance dans ce que je dis. L'action adjointe de gamma mu, qui est maintenant un sous-semi-groupe du groupe linéaire de l'algèbre de Lie, a une adhérence de Zariski, semi-simple, sans facteur compact. c'est un trou. Ça, c'est les hypothèses. Et maintenant, je me donne nu, une mesure de probabilité, donc à chaque fois, ça veut dire mesure de probabilité borélienne, hein, sur x, qui est mu stationnaire et ergodique. Voilà, c'est-à-dire, c'est un point extrémal parmi les mesures de probabilité stationnaires. Et je veux montrer, donc il y a une hypothèse de non-dégénérescence dont on a pas mal parlé pendant les précédentes séances. Je suppose que quel que soit x, dans x, la mesure de la L orbite de x est nulle, ou L, c'est le centralisateur dans G de gamma mu. Donc quand il n'y a pas de centralisateur, quand le centralisateur est discret, je suis juste en train de dire que la mesure n'a pas d'atome. Voilà, et j'ai pas mal parlé de ce qui se passait quand le centralisateur était discret. Il y a une complication technique en général, c'est qu'il faut tenir compte d'un éventuel centralisateur, et c'est ça la bonne hypothèse. Je vous rappelle que à la situation dont je viens de parler, j'ai associé donc B, hein, je note toujours B, qui est l'espace des suites indexées par les éléments de G, des suites à coefficients dans G, pardon, bêta sur cet espace, qui est la mesure produit, j'ai noté aussi B donne VB, donc c'est une application qui va de B dans les sous-algèbres de Lie adnilpotente de l'algèbre de Lie de G, hein, qui est définie comme étant la somme des espaces qui apparaissent dans le théorème de Fürstenberg quand on coupe l'algèbre de Lie, hein, quand on s'intéresse à la partie dans l'algèbre de Lie, on s'intéresse à chaque composante irréductible, non triviale pour l'action de gamma mu, et à ce moment-là, il y a une application qui apparaît dans chaque
composante irréductible non triviale, et c'est la somme de toutes ces applications. Hein. Et elle vérifie une relation d'équivariance. Donc on va voir aujourd'hui, on va jouer en permanence avec cette relation d'équivariance. On a déjà un peu vu qu'elle intervenait souvent, mais alors aujourd'hui ce sera tout le temps, tout le temps. Donc VTB, c'est l'action adjointe de B1 appliquée, puissance moins 1 appliquée à VB. Et je vous rappelle aussi que dans la situation qui m'intéresse, j'ai ma mesure nu, et donc il y a des mesures limites, nu B. Hein. De toute façon, VB, elle a été construite en utilisant des mesures limites. Et j'ai aussi, donc si je note, quand je pousse la mesure nu par un mot qui est écrit dans ce sens-là, ça tend vers une mesure nu B, hein, qui est une mesure qui dépend d'un paramètre aléatoire, là, et nu de TB vérifie toujours la même relation d'équivalence, d'équivariance, nu B. Et donc, dans l'idéal, j'aimerais conclure que si jamais je ne donne pas de masse au centralisateur, eh bien, nu B va être invariante par l'exponentielle de cette sous-algèbre de ligne nilpotente, qui est un sous-groupe A du nilpotent de G. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait appliquer le théorème de Ratner. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut éventuellement recouper en morceaux. Donc, il existe une décomposition donc il y a une partition de la mesure hein. Nu B s'écrit comme l'intégrale des nu BX des nu B de X hein, donc chaque par exemple ça peut être une partition finie hein, je peux couper un nombre fini de morceaux ça peut être une partition infinie mais on va voir dans une minute on va bien je vais bien décrire ce que c'est que couper une mesure en morceaux dans le cas où il y a un nombre infini de morceaux. Donc, on va voir dans une minute ce que veut dire précisément cette écriture. Donc, il existe une décomposition dans laquelle on a encore la propriété d'équivariance qu'on aime bien, mais maintenant, comme il y a un paramètre x, bah, il faut agir sur x aussi. Donc, une partition qui a exactement la même géométrie, la même propriété d'équivarience que les nu b et les vb, mais en plus, bah, le paramètre x, il doit bouger avec b1 puissance moins 1. Et il existe une application BX, donc à chaque fois c'est des applications durables, hein, donne VBX, qui est une sous-algèbre de VB, qui vérifie la même propriété d'équivariance, égale l'action adjointe, hein, de B1 puissance moins 1 appliqué à VBX et qui est constante nu BX presque partout. Hein, j'ai coupé ma mesure en morceaux et maintenant sur chaque morceau, bah, j'ai un morceau de l'algèbre de l'IVB hein, qui est constant sur le morceau. Okay, hein, sur chaque morceau nu BX, c'est prendre un morceau de la mesure de nu B, et sur ce morceau nu BX, il y a une algèbre VBX qui dépend que du morceau, qui dépend pas de, qui est constante. Hein. Et tel que nu BX est invariante par l'exponentielle de cette sous-algèbre de l'I. Voilà. Et donc, la dernière fois, j'ai admis ce résultat. Et j'ai montré comment, avec des manipulations que j'ai qualifiées de relativement standard dans la théorie des actions de groupe sur les espaces homogènes, la dynamique des actions de groupe sur les espaces homogènes, on pouvait en déduire le théorème général, avec un argument de récurrence. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai montré ça. Et puis, donc il y a cette hypothèse hein, qui était le départ de ma récurrence. Hein. J'ai soigneusement expliqué ce qui se passait la dernière fois quand on avait une orbite du centralisateur qui avait de la masse, et donc toute par ergodicité. Et dans les séances précédentes, j'avais aussi montré que ça impliquait la même hypothèse, presque sûrement, mais sur les nu B. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait dans la séance, peut-être la troisième séance, je crois. Hein. Donc on a montré que cette hypothèse sur nu, sous les hypothèses que j'ai données là, cette propriété de nu se transmettait au nu B. Hein. Donc pour commencer la récurrence, bah, j'ai utiliser cette propriété, et maintenant, pour démontrer ma proposition, je vais partir de ça. Et je sais que ça implique ça j'ai déjà fait. Voilà.
Donc, je vais tâcher. Je vais pas donner la démonstration dans le cas général aujourd'hui, enfin, sauf si vraiment vous voulez rester un peu tard. Mais parce que j'ai. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais démontrer dans un cas particulier. Et je vous expliquerai rapidement comment on passe au cas général. Donc, quand on a établi ce résultat avec Yves, donc ça, je vous ai dit, c'est vraiment le point central de la démonstration. Et au début, on l'a montré dans un cas particulier parce que il y a deux démonstrations différentes. Quand vous prenez le cas où G est un groupe de Lie simple et gamma mu, les arrêts qui dansent dans G, il y a une grosse simplification de la démonstration. Enfin, je veux dire. C'est-à-dire que nous, on a démontré dans ce cas-là, et ensuite, on a passé 3 ans, et on a réussi à trouver un argument pour faire le cas général. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a plus de travail. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a donné plus de travail. Peut-être que c'est facile, mais en tout cas, nous, on a vraiment eu du mal à passer au cas général. Donc, j'ai présenté la démonstration du cas, je vais présenter en détail le cas que je viens de mentionner. C'est-à-dire, G est un groupe de Lie simple, gamma est un arrêt qui danse dans G. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, je le formule sous une formulation qui est commune à la fois à cette situation particulière et à la situation générale. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc ça, c'est mon but aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par donner des préliminaires qui sont purement théorie de la mesure. Hein. Donc, la démonstration de cette proposition, elle s'appuie sur une construction qui est vraiment très théorie de la mesure, où on utilise peu la structure de l'espace homogène. On montre des propriétés d'équidistribution abstraites dans des espaces mesurés. Et au dernier moment, on rentre ça dans le cas où G est un groupe de Lie. Et ça donne le résultat. Vous comprendrez peut-être, j'espère que vous comprendrez mieux dans 2 heures. Mais donc pour l'instant, il faut que je vous explique des choses sur de purement de théorie de la mesure. Hein. Donc là, je fais juste de la théorie de la mesure. Donc déjà, je vais rappeler ce que c'est qu'un espace de Lebesgue. Donc c'est juste. Ce qui m'intéresse, c'est avoir des espaces pour voir les couper en morceaux, faire des choses comme ça. Et ça, c'est des propriétés d'espaces de mesure qui ne sont pas trop méchants. Et alors, ils ne sont pas trop méchants, mais en fait, tous les espaces de mesure que vous connaissez sont comme ça. C'est juste, il y a une notion particulière d'espace mesuré, qui est la notion d'espace de Lebesgue. Et cette notion, en fait, il n'y en a qu'un des espaces de Lebesgue, essentiellement, c'est 0,1 avec la mesure de Lebesgue. Et tous les espaces que vous pouvez construire, ils sont comme ça. C'est juste une façon d'éviter des contre-exemples absurdes. Hein. Donc, c'est une notion, mais qui n'est pas une notion. Mais bon, on a besoin quand même. Voilà. Donc, si x a mu, donc s'il y a une notion en mesure infinie, qui est à peu près la même, mais je vais me concentrer sur le cas de mesure finie. Si ça, c'est un espace de probabilité, c'est-à-dire que x est un ensemble, a est une tribu d'ensemble de x, et mu est une mesure définie sur cette tribu, eh bien, je dirais que, on dit que x à mu, donc il y a plein de définitions équivalentes, comme c'est, bon, on pourrait passer 2 heures là sur les espaces de Lebesgue, c'est une notion assez fantastique, parce que une fois qu'on l'a bien caractérisée, on se rend compte que c'est la bonne notion pour faire marcher les preuves, hein. C'est très pratique. On dit que x à mu est un espace de Lebesgue, si et seulement si, il existe une famille dénombrable, donc une suite d'ensembles mesurables, qui a la propriété que... il y a deux propriétés, c'est-à-dire que les AK engendrent A, et c'est aux ensembles de mesure 0 près. Hein, vous savez, quand on fait la théorie de la mesure sur R, il y a deux tribus qui jouent un rôle. Il y a la tribu des boréliens, c'est la tribu engendrée par les ensembles ouverts, et il y a la tribu des ensembles de Lebesgue. C'est les ensembles qui s'écrivent comme l'union d'un borélien avec un ensemble de mesures nulles. Et ce n'est pas la même tribu. La tribu des boréliens, elle est engendrée comme tribu par une partie dénombrable. La tribu des ensembles de Lebesgue, non. D'accord. Donc, il faut penser... Quand je parle d'espace de probabilité, j'ai pas dit s'il était complet ou pas. Un espace de probabilité est complet si à chaque fois qu'il y a une partie de x qui est contenue dans un ensemble de mesure 0, elle est mesurable. Hein? Donc la tribu des ensembles de Lebesgue, elle est complète. Pour la mesure de Lebesgue, la tribu des ensembles boréliens n'est pas complète. Voilà. Donc je veux pas m'embêter à parler de complet, pas complet, etc. Donc à chaque fois que j'énonce une propriété, elle est aux ensembles de mesure 0 près. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est les AK engendrent une sous-tribu de A, et tout ensemble de A s'écrit
comme un ensemble de zéro, mesures zéro, union, un élément de la sous-tribu engendrée par les AK. Hein. Il y a cette difficulté technique en théorie de la mesure que des fois on aime bien les tribus complètes, parce qu'on aime bien pas avoir de problème avec les ensembles de tous les ensembles qui sont contenus dans un ensemble de mesures zéro, et des fois on aime bien les tribus engendrées par des parties innombrables. Voilà, c'est, généralement ça pose pas tellement de problème, mais bon, on est obligé de jongler hein, entre l'attribut engendré qui est dénombrable, ou bien alors la complétée de l'attribut, voilà, il y a cette petite difficulté. Qui est juste, bon, je veux dire, dans la fée, il n'y a pas tellement de difficultés posées par ça, mais dans le langage, du coup, on est obligé d'être prudent. Voilà, dans les AK, engendre l'attribut A, et puis, je ne veux pas de gag du type, je veux que essentiellement, je veux pouvoir zoomer sur les points. Donc, je demande que je veux que l'attribut elle voit bien les points. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il existe un ensemble E inclus dans X de mesures totales, telles que pour tout X, Y dans E, si X est différent de Y, il existe un K, tel que X appartient à AK, et Y n'appartient pas à AK. Hein? Je sépare les points à l'aide de mes ensembles. Et donc, essentiellement, vous voyez tout de suite que bah, regarder une mesure sur un espace comme ça, c'est regarder une mesure sur 0, 1 puissance n. Hein? Parce que regardez, si vous connaissez les fonctions caractéristiques d'AK évaluant chaque point, bah, vous connaissez le point, hein? Et l'attribut est engendré par ça. Donc, essentiellement, je suis en train de dire que une mesure comme ça, c'est une mesure sur 0, 1 puissance n. Et en fait, comme les mesures sur 0, 1 puissance n, c'est aussi les mesures sur l'intervalle 0, 1, ben, dire qu'on a un espace de Lebesgue, c'est équivalent à dire qu'il existe un nombre t entre 0 et 1, et il existe une mesure nue, une mesure de masse, une mesure de masse totale 1 moins t sur n, tel que x à mu est isomorphe, comme espace mesuré, à l'intervalle 0t muni de la mesure de Lebesgue, union, l'ensemble des entiers, muni de cette mesure nue. C'est-à-dire qu'il y a un nombre, il y a des atomes, bon ben les atomes, vous ne pouvez pas les attraper, c'est pas continu, et puis sinon la partie continue, c'est juste la mesure de Lebesgue sur l'intervalle. Donc essentiellement, et maintenant si vous prenez n'importe quel espace localement compact, dénombrable à l'infini, maîtrisable, et que vous le munissez d'une mesure de probabilité borélienne, du point de vue strict de la théorie de la mesure, c'est ça que vous récupérez. Hein? C'est-à-dire en fait, je dis X est un espace de Lebesgue, mais à isomorphisme près, en fait je suis en train de dire X est l'espace de Lebesgue, hein? Bon, aux atomes près. Hein? Les atomes, voilà. Mais essentiellement, évidemment c'est le cas continu qui nous intéresse, et il n'y en a qu'un. Voilà. Et simplement, ce qui est assez magique, c'est ça, c'est que, quelle que soit la situation, si on pense juste en termes de théorie de la mesure, quelle que soit la situation géométrique dont on est parti, l'espace mesuré qu'on récupère, c'est 0,1 avec la mesure de Lebesgue. Hein. Voilà. Alors, j'ai une notion, ça c'est une notion, donc je vais essayer d'être très précis, ça c'est une notion pour les espaces mesurés. Et il y a une notion analogue pour les espaces, donc cette définition, elle est due à Rauklin. Hein. Et tout ce que je vais dire là sur la théorie de la mesure abstraite, c'est des constructions qui sont dues à Rauklin. C'est dans les années 50 qu'il a fait ça, et il avait en tête des applications dynamiques, hein, la construction de la théorie de l'entropie, etc. Enfin, voilà. Donc, j'ai une deuxième définition, qui est le versant mesurable, c'est-à-dire quand il n'y a pas de mesure. Donc, je prends un ensemble Y et je prends une tribu dessus. Donc maintenant, c'est un espace mesurable. C'est un espace mesurable. Et je dirais que Y est standard si et seulement si Y est isomorphe. Y muni de sa tribu à un espace. On va le dire comme ça. Si et seulement si il existe D, une distance sur Y, telle que YD soit un espace métrique complet, de tribu borélienne, Y.
Voilà, donc un espace métrique standard, un espace mesurable standard, c'est un espace métrique complet muni de cette tribu borélienne. Et à nouveau, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que c'est donc c'est isomorphe, hein, à 0,1, muni de la tribu borélienne. R muni de la tribu borélienne, là maintenant c'est une notion... c'est une notion qui ne dépend pas de la mesure, donc c'est pas, ça peut être R aussi, ou A, N, muni de la tribu discrète, la tribu totale, la tribu qui contient tous les ensembles. Hein. C'est ça les espaces, mais voilà, il y a deux espaces boréliens standards, soit il est discret, soit il est continu. Hein. Voilà. Et donc, à nouveau, voilà, si, alors, par exemple, si vous prenez... un borélien standard, à l'intérêt de la notion, c'est que si vous prenez un borélien standard, et puis vous prenez un sous-ensemble qui est dans la tribu borélienne, vous restreignez la tribu borélienne à ce sous-ensemble, vous récupérez un borélien standard. C'est pas complètement évident comme théorème. Moi, c'est l'un ou l'autre, ou ça peut être un mélange des deux? Non, non, mais un mélange des deux, c'est celui de gauche. Tu vois, si tu rajoutes des points, 0,1 fermé, c'est aussi 0,1 ouvert. Donc si tu rajoutes un point, tu le mets en 1. Oui. Voilà, c'est plus facile dans ce cas-là, il y a moins de cas possibles. J'ai d'accord, c'est surprenant au début. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les bons objets quand on fait de la théorie de la mesure. Eh bien, c'est les espaces mesurés qu'il faut prendre, c'est les espaces de Lebesgue. Les espaces sans mesure qu'il faut prendre, c'est les boréliens standards. Voilà, les espaces mesurés standards. Les espaces mesurables standards, juste, je me plante. Voilà. Alors maintenant, je vais voir ce que c'est que de découper une mesure. Hein. Qu'est-ce que c'est que découper une mesure? Alors, ce que je veux dire... Hein, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Je vais me donner un espace de Lebesgue. Et puis couper, ben c'est couper suivant les fibres d'une application. Donc je vais me donner une application, et il ne faut pas qu'elle soit trop méchante. Donc elle va vers un espace borélien standard. Et alors, quand j'ai cette structure, je peux découper la mesure. Hein, donc le théorème, donc c'est le théorème de Rauquelin. Donc je suppose que lui, c'est un espace de Lebesgue, que lui, il est standard. Alors, dans cette situation, il existe, alors, je suis obligé, si je veux être précis, c'est obligé d'être horrible, il existe une tribu B, inclue dans A, telle que, comment je vais le dire, alors, il existe B inclue dans A, tel que A égale B presque partout, hein, c'est-à-dire que les éléments de A, bah, c'est des réunions d'ensemble de mesures nulles avec des éléments de B, d'accord, hein, c'est-à-dire que L c'est Borel et L c'est Lebesgue, hein, c'est ça que je suis en train de dire. Il existe un ensemble E inclus dans X, tel que quand je prends E, lui, la restriction de la tribu B, c'est standard, hein, parce qu'évidemment, dans les ensembles de mesures 0, on a toujours le droit de rajouter à peu près ce qu'on veut. Donc je suis obligé de me restreindre, d'enlever un ensemble de 0 où tout peut être très très moche, et à ce moment-là, ce que je vois, c'est un espace boréen standard. Hein. Et il existe, c'est surtout ça qu'il y a. Alors ça, c'est juste de la technique de théorie de la mesure, des problèmes un peu bizarroïdes, qui ne sont pas importants. Surtout ce qui est important, c'est ce que je dis maintenant. Il existe une application, x, donne mu x, on peut mettre mu x pi, si on tient à garder la dépendance sur la fibration, ici. Donc, il y a une application qui va de X dans les mesures de probabilité sur, disons, X, B. Hein? Donc, à chaque point, je peux associer une mesure de probabilité sur X. Et c'est sur une mesure de probabilité, sur cette sous-tribu qui est dénombrablement engendrée. C'est pour ça que ça marche, parce que je peux travailler avec un nombre dénombrable d'ensembles. Il existe une application qui a la propriété suivante, que pour tout de fonction phi appartenant à L1, quand je regarde l'application X donne l'intégrale sur X de phi, alors je devrais dire, je vais le dire plus précisément, si j'ai une fonction phi qui est mesurable pour la grosse mesure, eh bien, mu presque pour tout x, phi
est intégrable. Elle est intégrable pour la grosse mesure. Elle est intégrable pour les petites. D'accord ? Et l'application x de l'intégrale de phi par rapport à cette mesure est mesurable. Et elle est égale à l'espérance conditionnelle de phi contre l'attribut image inverse de y. Qu'est-ce que je veux dire ? Hein ? J'ai une base qui est y, et au-dessus de chaque point, j'ai une fibre. D'accord ? Et mu x, qu'est-ce que c'est ? Ben, j'ai une mesure sur l'espace total de la fibration. Et mu x, c'est la valeur de x de la mesure sur la fibre. D'accord ? Donc quand j'écris comme ça, que je vous rappelle, hein, on avait fait des calculs de théorème de martingale, de choses comme ça. Donc quand j'ai une application mesurable, hein, une application mesurable, bah, ça me vend une sous-tribu. Dire qu'elle est mesurable, c'est que j'ai cette inclusion de sous-tribu. Quand j'ai une sous-tribu, j'ai un opérateur d'espérance conditionnelle. Et ce qu'on sait, donner espérance conditionnelle, c'est partir d'une fonction qui est définie partout, et on veut en faire une tribu, une fonction qui est mesurable pour cette sous-tribu. Donc c'est-à-dire, on veut en faire une fonction sur cet espace. Donc ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est l'intégrale sur la fibre. La science conditionnelle, c'est intégrale sur la fibre. Donc dans le cadre des espaces de Lebesgue, ça marche. Hein, c'est ça que dit ce théorème. C'est-à-dire on peut vraiment définir cet objet qui est une mesure sur la fibre, telle que prendre l'espérance conditionnelle, c'est-à-dire moyenner, c'est vraiment intégrer contre cette mesure. C'est ça que dit ce théorème. D'accord ? Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dire que quel que soit psi, hein, dire que c'est l'espérance conditionnelle, c'est dire que quel que soit psi, qui est une fonction mesurable, sur y, eh bien, l'intégrale par rapport à la mesure de phi de x, psi de pi x, des mu, l'intégrale sur x, c'est égal à l'intégrale sur x de toujours de l'intégrale sur x de phi par rapport à la mesure mu x. D'accord ? Fois. Alors, je réécrirai des. L'intégrale sur y, ou l'intégrale sur x, ça ne sera pas grave, de hein, psi de x, des mu de x. C'est-à-dire, on commence par intégrer sur les fibres, et maintenant, une fonction qui ne dépend pas que des. On intégrale, maintenant, on a deux fonctions qui ne dépendent pas que, qui dépendent que de la fibre. Hein. Mesurable, et je veux là, et j'ai. Si pi x, ouais, j'ai mu x. Implique mu. Voilà. Et cette décomposition, elle est essentiellement unique. Si j'ai deux décompositions comme ça, elles coïncident sur un ensemble de mesures 1. Voilà. Donc là, si vous voulez, l'opérateur d'espérance conditionnelle, il existe toujours, sans hypothèse sur les espaces de mesure. Mais le fait qu'il puisse s'écrire comme une intégrale contre une mesure qui dépend du point, ça, c'est une propriété du fait que tout est dénombrable, donc on a juste à tester un nombre dénombrable d'objets, etc. Voilà. Bon, voilà, ça c'est... Voilà, alors des exemples quand même de cette situation. Attendez, je vérifie, voilà. D'une part, hein, donc il y a ce problème qu'on est obligé de se restreindre à une sous-tribu. Alors, mais si vous partez de n'importe quelle tribu, hein, si vous voulez, ben, je vais l'écrire là, c'est vraiment pas un problème, hein, c'est juste qu'on veut pas définir des. Comme la mesure elle bouge, on a besoin de fixer. Hein, quand vous prenez les mesures boréliennes, c'est pas les mesures sur la tribu de Lebesgue. Quand vous faites bouger la mesure, il faut travailler sur des espaces standards, sinon ça n'a pas de sens. Hein, la mesure, quand vous complétez une mesure, dès que vous changez de mesure, la tribu de Lebesgue n'est pas forcément mesurable quand vous travaillez sur R. Hein. Donc la bonne tribu sur laquelle cogner des mesures qui varient, c'est la tribu borélienne. C'est ça que ça veut dire dans ce théorème. Hein. C'est pour ça que je suis obligé de prendre une sous-tribu. Donc, quand, par contre, ce qui est vrai, si vous partez de n'importe quelle sous-tribu de A qui est dénombrablement engendrée, on peut supposer
dans ce théorème que B contient B0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez rajouter un nombre dénombrable d'ensemble à B, vous pouvez. C'est pas, ça, on reste dans le monde des tribus dénombrablement engendrées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème dans la vie, parce que si on a besoin que les mesures mesurent un certain nombre d'événements, ben on peut toujours les rajouter et on peut toujours supposer, quitte à enlever un ensemble de mesures 0, que les mu x mesurent tous les événements qu'on veut. Hein. Donc ça, c'est une première propriété. Il y a une autre façon de dire ça. Hein. Là, j'ai parlé d'application pi. Il y a deux langages équivalents. Soit on parle d'application vers un autre, vers un ensemble standard, soit on parle de partition de l'espace de départ. Donc souvent, ce, hein, dans le langage traditionnel pour parler de ça, c'est de regarder la partition xi, hein, où xi de x, c'est pi moins 1 de pi x. Hein. Et ça, ça fait une partition de l'espace. Et dans les bouquins, vous pouvez voir la notion de partition mesurable. Ouais, on définit les mesures conditionnelles, on les appelle comme ça, la mu x xi. D'accord ? C'est les mesures conditionnelles sur les atomes d'une partition mesurable. Mais c'est exactement équivalent. Hein, de, disons, la définition qu'il y a dans les livres pour partition mesurable, c'est exactement dire que quand vous prenez l'espace quotient de la partition, vous multiplicez l'attribut image, vous récupérez un borélien standard. C'est complètement équivalent comme notion. Voilà. Donc ça, c'est ça, voilà, c'est juste parce que là, je l'ai choisi de le présenter comme ça, parce que à un moment, je vais raisonner en ce type de langage. Et une autre chose importante, ah oui, c'est que l'unicité est garantie que si jamais il y a un groupe qui agit sur toute la situation, eh ben, tout est équivariant sous l'action du groupe. Hein. Donc l'unicité est garantie que si G est un groupe localement compact, donc avec mes hypothèses habituelles, séparables, dénombrables à l'infini. Hein, faut, voilà, ce que les Anglais appellent second countable. Eh bien, qui agit, si G agit sur X par une action mesurable, s'il agit aussi sur Y par une action mesurable, si G préserve, préserve la mesure nu, la mesure mu, si pi, l'application, est g équivariante, eh bien, ça implique que, quel que soit g, mu presque pour tout x, quand vous prenez mu de gx, c'est rien d'autre que l'image par g de mu x. Hein? Ça, c'est, ça paraît relativement naturel, hein? C'est-à-dire que si le groupe préserve la mesure de l'espace, s'il préserve la fibration, ben, il préserve les mesures dans les fibres. Voilà. Et alors oui, quand même, j'ai donné deux exemples de cette situation, sa décomposition, et une fois que vous avez vu deux exemples, vous verrez que ce théorème n'est pas méchant. Voilà, la puissance de le théorème, c'est qu'il a cet énoncé général. Et sa puissance aussi, c'est que, ben en fait, il n'y a pas 36 exemples. Hein, c'est-à-dire des exemples de Lebesgue, je vous ai, des exemples d'espace de Lebesgue, je vous ai dit essentiellement, si on vire les atomes, il n'y en a qu'un, c'est intervalle 0. Hein. Ben, des exemples de partition, il n'y en a pas 36. Il y a deux exemples extrêmes, quoi. C'est que si Y est un ensemble fini, eh bien, la partition, la mesure mu x, ben, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la mesure mu restreinte à l'atome de x, donc à pi moins 1 de pi x, divisé par la masse totale. Hein? C'est ça. Quand on prend l'espérance conditionnelle, la probabilité avec un nombre fini d'ensemble, ben, l'espérance conditionnelle, c'est comme ça qu'on la définit. Hein? C'est la mesure de 1 inter b divisé par la mesure de b. Donc voilà ce qui se passe quand c'est fini. Et puis, un exemple, c'est x égale 0, 1 au carré, muni de la mesure de Lebesgue, y, c'est 0, 1, et pi d'un point x, y, c'est juste x. Hein, je projette sur la première composante. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la mesure conditionnelle? La mesure conditionnelle d'un point, eh bien, c'est la mesure de Lebesgue sur la fibre du point. Et le théorème, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est la seule possibilité. Hein, c'est que si jamais vous avez... Le théorème, ce qu'il dit, par exemple, c'est que si vous avez un espace de Lebesgue sans atome
et que vous avez une projection vers un Y de ce qui est fichu de telle sorte que chacun des ensembles pi moins 1 pi x là, à mesure 0, eh ben, il y a un isomorphisme qui envoie ça sur ça. C'est ça que dit le théorème. Est-ce que je triche? J'ai rien oublié comme cas. Oui, c'est ça. Non, je triche. Zut. Il faut que l'image inverse de chaque point dans Y n'est pas dénombrable. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention parce que je pourrais avoir aussi juste une application, je pourrais quotienter par deux valeurs. Hein. Je pourrais prendre un ensemble à deux éléments croix 0, 1 et identifier mes deux éléments. C'est-à-dire que la mesure de l'espace serait continue, la mesure de la projection serait continue, mais les conditionnels seraient des mesures discrètes. Voilà. Donc, ce que dit le théorème, c'est que l'exemple, il y a essentiellement quand même l'exemple difficile, le cas difficile, c'est le cas où tout est continu, et c'est ça. C'est vraiment ce que dit le théorème. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, en fait, voilà, cette construction permet de montrer que c'est ça la seule situation, d'un point de vue mesurable. Hein. Je vous ai dit, un espace mesurable, essentiellement, c'est 0, 1, l'espace mesuré de qui apparaît la vie, et un quotient d'espace mesuré avec des mesures conditionnelles continues, c'est juste celui-là, c'est Fubini, quoi. Hein? Voilà, c'est pour ça que l'énoncé ressemble à Fubini, parce qu'en fait, on est en train de dire qu'il n'y a que ça dans la vie, quoi. Voilà. Dans le cas des variétés instables sur un osophe, ça marche pas, c'est que c'est pas une mode vibration. C'est pas. Voilà, parce que la feuille, elle est ergodique, quoi. Hein, ça marcherait pas. Typiquement, c'est ça. C'est si tu prends, t'as une dynamique sur x et tu prends l'espace des orbites, ben le quotient il est pas standard. Oui, on va voir ça dans une minute. Hein. Voilà. Donc maintenant, précisément, je vais m'intéresser à décrire des mesures conditionnelles, mais quand le quotient est pas standard. Et ça pourra pas marcher, hein, pour les raisons que j'ai d'expliquer là à l'instant. Mais donc l'idée c'est la suivante, c'est que j'ai pu avoir. Imaginons précisément qu'on a une variété là, et puis sur cette variété, on a un feuilletage. Alors, on a un feuilletage en droite comme ça. Donc quand j'ai un point maintenant localement, hein, je peux toujours regarder des boîtes qui définissent mon feuilletage. Donc si j'ai une mesure sur ma variété, localement, je peux toujours définir des mesures conditionnelles sur les feuilles. Okay. Le problème, c'est que si je veux un objet global sur la feuille, il faut que je puisse les recoller. Alors, quand je les recolle, il y a un choix. Parce que si je fixe la normalisation, si je fixe une première boîte, hein, quand je recolle, j'arrive avec une autre boîte. Donc je sais que j'ai deux mesures sur chacun de mes intervalles, mais elles coïncident à une constante près. Hein, ici, j'ai normalisé, quand je prends les conditionnels, je normalise pour que la masse totale fasse 1. Donc j'ai une mesure de masse totale 1 sur une boîte, j'ai une mesure de masse totale 1 sur une autre boîte, et sur l'intersection, elles vont avoir tendance à être proportionnelles l'une à l'autre. Hein? Mais donc si je veux définir un objet sur la réunion des deux boîtes, bah, je suis obligé de décaler par un coefficient de proportionnalité. Et là, il y a un choix. Okay? Donc c'est ça qui arrive. Si maintenant je veux définir des objets globaux, non pas quand je travaille avec des partitions mesurables, mais quand je travaille avec les orbites d'une action de groupe, avec un feuilletage, des choses comme ça, je récupère des objets globaux, mais ces objets globaux ne sont pas des vraies mesures, mais des mesures à une constante multiplicative près. Je vis dans un espace projectif de mesure. Quoi. Voilà. Donc, je vais faire ça. Hein? Donc, je vais énoncer. Donc, la situation, alors, je ne vais pas le faire pour les feuilletages, parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes d'action de groupe. On pourrait faire la même chose en termes de feuilletage. Donc, je vais me donner X, ce sera un borélien standard. Je vais le noter R. Je ne sais pas pourquoi on le note R. Bon, je vais le noter. Donc ce sera un groupe comme avant là. Hein, ce sera un groupe localement compact. Et puis je vais écrire à l'anglais là. À l'anglais, second countable, c'est-à-dire maîtrisable, dénombrable à l'infini. Et je vais supposer que R agit sur X. Hein, et donc je vais définir cet objet global là, sur l'orbite d'un point. Et donc c'est essentiellement ce que je viens de dire. Donc pour définir les objets, je vais introduire l'espace hein, dans lequel vit cette mesure conditionnelle. C'est-à-dire, je prends des mesures conditionnelles sur des petites boîtes et puis je recolle. Hein, et là, j'obtiens une mesure définie à une constante près. Donc je vais noter M de R.
M de R, ce sera l'espace des mesures de Radon sur R. C'est les mesures de Radon. Hein, maintenant, ce que j'ai, parce que je recolle des mesures de probabilité sur chaque boîte, mais il n'y a aucune raison, je récupère une mesure finie. Donc je sors du monde des mesures finies, donc je récupère une mesure sur mon groupe localement compact, qui est finie sur les compacts. Hein, c'est ce qui s'appelle une mesure de Radon. Alors je triche un tout petit peu, une mesure de Radon, normalement, quand on fait de la théorie de la mesure, là, ça regarde dans le bouquin de Rudin, etc., les mesures de Radon, il y a une propriété de régularité, en plus. Hein, c'est que la mesure d'une partie, c'est le 1 des mesures désouvertes qui la contiennent, des choses comme ça. Mais ici, mon espace, il est maîtrisable et dénombrable à l'infini, donc j'ai pas, cette hypothèse de régularité, elle est automatiquement satisfaite. Dès qu'une mesure est finie sur les compacts, elle est régulière. Donc, je prends l'espace des mesures de Radon, c'est-à-dire donc juste l'espace des mesures boréliennes finies sur les compacts, et puis là-dessus, il y a une tribu naturelle. Lui-même, on peut lui mettre une structure d'espace mesuré. Hein, et c'est juste, par exemple, il y a la tribu engendrée par toutes les applications de la forme, on va y noter rho, les mesures, rho donne rho de k, hein, où k, c'est un compact de R. Donc à chaque fois que je prends un compact, ça me définit une application mesurable. J'aurais aussi pu prendre la tribu engendrée par les intégrales contre les fonctions continues par compact, c'est la même. Et cette tribu, elle est standard. Tout ça, c'est facile, hein, c'est des exercices élémentaires de topologie. Hein. Voilà. Donc cette tribu, elle est standard. Et maintenant, je peux définir un quotient de cet espace. C'est M1 de R. C'est les mesures, c'est M de R, mais quotienté par l'homothétie. Hein. Donc j'identifie deux mesures si elles sont proportionnelles. Et maintenant, j'ai un quotient, donc j'ai une application quotient comme ça. Je munis M1 de R de la tribu image. Elle est encore standard. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette application naturelle, elle a une section. Si vous prenez R, quand j'ai une mesure, une classe d'homothétie de mesure, bah, dès que j'ai un compact, soit les non-nuls, ma classe, bah, je peux normaliser en disant que ce compact, il est mesure 1. D'accord ? Donc j'écris mon groupe comme union dénombrable de compacts. Quand j'ai une mesure, je regarde le premier compact sur lequel il est non-nul. Et ça me fait une façon de remonter ce truc-là. Voilà, c'est ce que... Une application, hein, quand vous avez deux espaces boréliens standards, si vous avez une application mesurable de l'un dans l'autre surjective, eh bien, elle a toujours une section. Et c'est quasiment... Voilà, donc dire qu'un quotient d'un boréen standard est encore boréen standard, c'est dire qu'il a une section. C'est précisément pour ça que, quand vous prenez le quotient par une action ergodique, ça a tendance à pas du tout être standard, ça n'a pas du tout de section. Enfin bref, c'est que du langage, hein, ce que je dis. Voilà. Alors, donc, une fois que j'en suis là, j'ai un bel espace borélien, et qu'est-ce que je dis ? Eh bien, je dis que sous les hypothèses, donc maintenant, si mon groupe R agit sur un espace, hein, donc j'ai X qui est donné, donc le théorème, c'est quasiment pas un théorème, hein, c'est si mu est une mesure, disons, de probabilité, sur mon borélien, X, eh bien, alors attendez, j'ai bien tout écrit, donc j'ai vérifié, parce que faut pas se planter. Hein. Il existe, donc j'ai noté, pour chaque point X dans X, là, eh bien, j'ai une application, alpha X, qui est une application mesurable, de R dans X, qui est l'application R, donne RX, hein, donne l'application orbitale. Il existe. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse gaffe à un truc. J'ai supposé que cette action, elle a un stabilisateur discret. En fait, essentiellement, je pourrais rajouter un stabilisateur unimodulaire. Mais enfin, bon, bref, on va pas commencer à faire les fous. Donc, il existe une application qui va de R. De X dans M1 de R, qui est défini mu presque partout, et qui est essentiellement qui est unique aux ensembles de mesures près, aux ensembles de mesures nulles près, qui à X associe une certaine
mesure que je vais noter mu xr, et donc c'est plus tout à fait une mesure, hein. Ça note encore mu, mais en fait c'est une mesure à une constante multiplicative près. Donc c'est cette mesure-là, hein, que j'obtiens par recollement. Et qui a la propriété que, quel que soit tel que, hein, quel que soit xi, une partition mesurable, de x mu, hein, donc je vous rappelle, une partition mesurable, c'est la partition associée à un quotient standard. Hein, c'est, je vous ai dit, il y a les deux langages, un coup on parle de quotient, un coup on parle de partition, et c'est suivant ce qui est le plus pratique dans le contexte. Donc à chaque fois, je me donne une partition mesurable. Quand j'ai une partition mesurable, hein, qu'est-ce que c'est ma partition mesurable? Ben, j'ai envie de dire que c'est donner une petite boîte dans chaque orbite. D'accord, c'est ça que je vois comme une partition mesurable. Donc je vais le dire comme ça, c'est une partition qui a la propriété, si mu est presque pour tout x, quand je regarde l'élément neutre de R, il appartient à alpha x puissance moins 1 de xi x, à l'intérieur, pardon, à l'intérieur, c'est-à-dire que je devrais dire, voilà. Alpha x, c'est l'application orbitale. Hein? Donc là, moi, mon... Ça, c'est l'orbite du groupe, Rx. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est quand j'ai un point X, il a un atome par ma partition. Maintenant, je le tire en arrière par l'application d'orbite, et ce que je vois, c'est un sous-ensemble du groupe. Et alors, si je veux que ma mesure, elle soit pas trop moche, faut pas que je sois... Faut quand même que mes atomes de ma partition, quand je les regarde dans le groupe, ce soit des intervalles, des choses comme ça. Ça veut dire qu'en général, les points sont à l'intérieur de leur atome pour la topologie de la feuille. Hein? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand je prends l'image inverse de l'atome du point, eh bien ça, ça doit être un voisinage de E, de l'élément neutre, dans le groupe R. Et ça, ça doit être vrai mu presque pour tout point. C'est-à-dire que je ne veux pas que ma mesure, elle voit les bords de mes intervalles. D'accord ? Donc si j'ai cette propriété, alors, eh bien, quand je prends la mesure conditionnelle pour la vraie partie, la vraie mesure conditionnelle pour la partition xi, eh bien, ça doit être égal à quoi? À la mesure, la fausse mesure de la feuille, hein, divisée, hein, que je renormalise cette fois-ci avec la normalisation qui vient de l'application ici. Alors, sauf que mu xr, là, c'est pas une mesure sur l'espace, c'est une mesure sur le groupe. D'accord? Donc il faut pousser tout ça par l'application d'orbite. Hein? C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une partition en boîte, hein, telle que les points sont toujours à l'intérieur des atomes dans leur feuille, qui est une partition subordonnée à la feuille, alors j'aurais dit, pardon, excusez-moi, j'ai une partition mesurable de x, telle que alpha, mu presque pour tout x, si x est inclus dans l'orbite de x, et voilà, c'est ça que j'ai oublié, hein, c'est une partition qui est subordonnée à la partition en orbite. Et c'est une partition en ouvert dans chaque orbite. Donc, ce que je dis, c'est, qu'est-ce que c'est que la mesure? Bah, c'est, il y a un modèle unique pour toutes les partitions qui sont subordonnées aux feuilles. Hein, il y a un modèle de ces mesures. Hein, c'est, et donc, voilà, c'est ça que je suis en train d'écrire. C'est immonde à écrire, mais ce que je veux dire, c'est, quand j'ai une partition qui n'a pas de problème de bord à l'intérieur des orbites du groupe, bah, je l'obtiens avec ma mesure du groupe que je restreins aux atomes de la partition. Donc, le mu xr, c'est pas tout à fait une mesure, c'est une mesure à normalisation près, mais là, c'est un quotient. Hein, donc, il n'y a pas de problème. C'est défini. Ça dépend pas du multiple de mu xr que je choisis. Voilà. Donc, il y a cet objet qui apparaît. Et il a l'air de rien. Mais le point, c'est que cet objet, une fois qu'il est défini, il est complètement intrinsèque. Hein, donc, ça sert à estimer ce qui se passe quand on a un groupe qui agit sur un espace, qui a une mesure de proba sur le groupe, mais qu'elle n'est pas invariante. Hein? Si elle est invariante, ce qu'on récupère ici, c'est juste la mesure de R du groupe. Et c'est un test, en fait. C'est-à-dire que on peut vérifier que dire que mu est R invariante, c'est équivalent à dire que mu xr et la mesure de R. Mu presque sûrement. Mu presque pour tout x
Hein? Dire que la mesure est invariante par l'action du groupe, ben c'est dire que quand on conditionne la mesure aux orbites du groupe, ce qu'on voit, c'est la mesure de Haar du groupe. Donc ça me fait un test, hein? ce machin-là, ça me fait un test pour savoir si une mesure est invariante par un groupe. D'accord? C'est vraiment... non, ces objets, ils sont apparus... je dirais à la fin des années 90, dans les années 90, les gens ont commencé à décrire des phénomènes de système dynamique, hein, typiquement la théorie de Rapier-Young, tu dois connaître, je pense, tu vois, même voir très bien, on utilise cet objet. Hein, il y a des théories générales de la structure des dynamiques hyperboliques, ils décrivent des propriétés de cette mesure. Hein. Et puis, à la fin des années 90, il y a eu des travaux de rigidité des mesures invariantes, en particulier Katok et Spadzier, qu'on commençait à utiliser cet objet, utiliser le critère qui est là. C'est-à-dire, on veut montrer qu'une mesure est invariante par des groupes unipotents, des choses comme ça. On introduit les conditionnels le long d'action du groupe unipotent. Ça fait une vraie fonction. Et maintenant, on étudie cette fonction et on essaie de montrer qu'elle a des propriétés qui font qu'en réalité, cette mesure est nécessairement la mesure de Haar. Et on en déduit que la mesure de départ est invariante. Donc c'est ça que je vais faire. Hein. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est relativement classique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, ça c'est le critère d'invariance. Et puis, l'unicité, l'unicité, elle me dit que, du coup, si je me place là, quand j'ai deux points qui sont sur la même feuille, ils doivent voir la même mesure, puisqu'ils sont sur la même feuille. Hein. Alors à ceci près que la mesure, je veux toujours pas la considérer comme une mesure sur l'espace, je vais la considérer comme une mesure sur le groupe KJ. D'accord? Donc quand je change de point, je change d'origine sur le groupe. Donc ce que je dois voir, c'est la même mesure, mais translatée. Hein? Donc c'est vrai. C'est-à-dire qu'il existe un ensemble E qui est inclus dans X, tel que la mesure de E est égale à 1, et tel que, quel que soit X appartenant à E, quel que soit R, un élément de R, tel que Rx appartient encore à E, donc j'ai deux points. Hein, ce que j'ai, évidemment, à chaque fois, les propriétés que j'ai, elles sont vraies sur les ensembles de mesures pleines. Hein, à chaque fois, il faut que je vire les ensembles de mesures zéro. Donc c'est pour ça que je prends un ensemble E de mesures totales. Et maintenant, quand j'ai deux points qui sont dans E et qui sont sur la même feuille, eh bien, la mesure conditionnelle doit être la même à une translation près. On a mu Rx. Hein, la mesure conditionnelle en Rx, la conditionnelle sur cette orbite, mais vue de Rx, eh bien, c'est la translation par R à droite, appliquée à mu xR. Hein, je veux dire que l'application orbitale en Rx, c'est essentiellement l'application orbitale en X, mais avec composée par une translation à droite dans le groupe. D'accord? Donc quand je tire en arrière ma mesure qui moralement vit sur l'orbite du point, j'ai un décalage entre ce qui se passe en Rx et ce qui se passe en X, qui est une translation à droite dans le groupe. Voilà. Et alors tout le jeu, hein, tout le jeu dans cette théorie, quand on veut montrer que des mesures, il y a ce groupe R qui agit sur une mesure, on veut montrer que la mesure est R invariante, on essaie de montrer que mu Rx est égal à mu X. D'accord? Parce qu'une fois qu'on sait ça, comme mu Rx c'est aussi une translation à droite de mu X, nécessairement ça veut dire que cette petite translation elle préserve la mesure. Hein, donc toute la stratégie pour montrer que une certaine mesure va être invariante par un groupe, ça va être étudier cette fonction et se débrouiller pour fabriquer des points X Rx tels que la mesure en X et la mesure en Rx est la même. Parce que seulement c'est une fonction, cette application, c'est une application de X dans un espace borélien standard, enfin c'est une belle application, et on veut montrer qu'il y a un moment, un machin qui est ergodique, un truc qui fait que nécessairement la valeur en Rx, c'est la valeur en X. Et du coup, automatiquement, ça force la mesure à avoir une invariance par translation. Voilà. Donc cet outil, je veux dire, ce formalisme, tout ça, c'est un peu lourd, c'est pas tellement puissant, parce que c'est très... Enfin, tout ça, c'est vraiment... je vous fais pas les démonstrations, mais c'est quelques lignes à chaque fois, c'est juste des arguments des normalités, c'est toujours les mêmes arguments. Mais la puissance est là. Hein. La puissance, c'est vraiment cette relation ici, qui est un outil pour montrer que des mesures ont une propriété d'invariance. C'est ce que je vais faire. Voilà. Alors,
Donc maintenant, je reviens à la théorie ergodique. Pour l'instant, il n'y avait pas de transformation. Hein, tout ça, c'était de la structure des espaces mesurés. Hein. Et bon, il y avait les mesures conditionnelles, des choses comme ça. Donc maintenant, moi, je reviens à mon cadre où j'ai des groupes qui agissent. C'est une mesure invariante. Et la stratégie, hein, ça va être d'obtenir ces points Rx et X là. On va essayer de les obtenir comme des limites, hein, de suite. Et on va les forcer, le but, hein, c'est des limites de suite, mais il faut qu'elles tombent dans un certain ensemble. Dans cet ensemble E, qui est une mesure pleine, ou peut-être qu'il faudra qu'elles tombent dans un sous-ensemble de E, pas une grosse mesure. Là, j'ai un ensemble de mesures pleines. Maintenant, si je prends dedans un compact de mesure 1 moins epsilon, hein, et ben, les X et les Rx qui sont là, je vais les avoir comme des limites de suite. Et je sais qu'ils resteront dans mon ensemble de mesures presque 1, parce que je suis prudent, je prends un compact de grosses mesures dans un ensemble de mesures 1. Okay. Mais maintenant, bah, il faut que j'arrive à garantir qu'il tombe dans mon compact de mesures 1 moins epsilon. Et pour ça, j'utilise des théorèmes d'équidistribution. Hein, type théorème de Birkhoff, des choses comme ça, qui me disent, bon, bah, je prends l'orbite d'un point, elle a tendance à s'équidistribuer. Donc en particulier, elle va avoir tendance, dans mon même, si je prends que la masse 1 moins epsilon là-dedans, va quand même y avoir beaucoup de chances que sur mon orbite, j'arrive à tomber dedans. Et en passant à la limite, j'aurai des situations comme ça. Donc la stratégie maintenant, c'est la stratégie dans Ratner, c'est la stratégie dans Katox-Pazier, des trucs comme ça. La stratégie, c'est fabriquer un théorème, sortir de son chapeau un théorème d'équidistribution qui garantisse que pour certaines suites, hein, on arrive à forcer certaines parties, on a certains morceaux d'orbite de groupe qui s'équidistribuent, et donc il y a des parties de l'orbite du groupe qui tombent dans des ensembles de grosses mesures. Donc il faut que je fabrique des théorèmes d'équidistribution. Donc dans la théorie de Ratner, le théorème central, c'est le théorème de Birkhoff. C'est-à-dire on a un flot unipotent, et on lui applique le théorème de Birkhoff. Dans ce qu'on fait, ce n'est pas du tout le cas. Et on va utiliser les propriétés de Martingal. Hein, donc on avait déjà vu, hein, il y avait un lien très fort entre les notions de mesure stationnaire et le théorème de convergence des Martingales, dont j'ai parlé lors de la deuxième séance. Donc je vais revenir dessus. Et ça va être des Martingales dans l'autre sens. Donc ça d'abord, je parle d'un phénomène général, donc j'introduis ce qui s'appelle la tribu queue. Hein? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a un système dynamique abstrait, il y a deux gros théorèmes d'équidistribution associés. Classiquement, on parle beaucoup du théorème de Birkhoff, mais il se trouve qu'il y a un phénomène de martingale dans n'importe quel système dynamique. Hein, à partir du moment où il n'est pas inversible. Donc je prends un système dynamique, donc X A mu, c'est un espace, disons, de Lebesgue, et T, c'est une transformation qui préserve la mesure. Hein, donc T, ça va de X dans X. Et T est mesurable. Il préserve la mesure. Voilà. Mais alors, ce qui va m'intéresser, c'est le cas où T n'est pas bijectif. Alors, quand T n'est pas bijectif, T moins 1A, c'est pas A. Hein, c'est essentiellement ça, c'est ça dire que T n'est pas bijectif. Okay. Hein, ici, il y a une inclusion stricte de sous-tribus. Et alors, je vais noter Qn, c'est l'attribut image inverse au cran N. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qn plus 1, c'est inclus dans Qn. Hein. J'ai une famille décroissante de sous-tribus. Et alors, il y a un objet qu'on appelle la tribu Q. Q, c'est l'intersection sur N des T moins Na. Hein, l'intersection sur N des Qn. Et automatiquement, bah, dès que j'ai un phénomène, quand j'ai une suite monotone de sous-tribus, j'ai le théorème de convergence des martingales. Alors la dernière fois que j'en ai parlé, c'était dans le cas des suites croissantes de sous-tribus. Là, c'est plutôt une suite décroissante. Hein. Donc c'est le théorème, hein, de convergence des martingales me dit que si j'ai une fonction phi qui est une fonction L1, eh bien quand je considère l'espérance conditionnelle de phi contre l'attribut Qn, ça tend vers l'espérance conditionnelle de phi contre l'attribut limite. Hein. Et ça, c'est vrai, mu presque sûrement. C'est une convergence point par point. C'est aussi une convergence dans L1, dans LP, quand la fonction est dans LP, etc. Voilà. Alors, le point, c'est que dans les systèmes dynamiques qui vont apparaître, qui vont m'intéresser, eh bien, je vais très très bien savoir calculer. Parce qu'évidemment, quand on l'explique comme ça, on ne voit pas où on va. Hein, je veux dire, on ne va pas... voilà. Mais il se trouve que cette espérance conditionnelle, dans les systèmes qui m'intéressent, eh bien, je peux la calculer avec une formule très simple. Alors, pourquoi c'est vrai? Eh bien, parce que les systèmes que j'utilise depuis le début sont des systèmes qui sont fibrés au-dessus d'un décalage de Bernoulli. Hein, je me donne une suite d'éléments du groupe qui est
une suite d'aléas, et puis j'applique mes éléments aléatoires du groupe. Et pour le décalage de Bernoulli, ces objets-là sont très faciles à décrire. Donc quand le cas, hein, c'est un exemple, et qui est un exemple, en fait, c'est fondamental pour nous, quand X, c'est l'espace que j'ai noté B, hein, que mu, c'est la mesure que j'ai noté bêta, et que T, c'est l'application de décalage, qu'est-ce que c'est que l'attribut Qn, hein, T, et T, c'est le décalage. Qu'est-ce que c'est que l'attribut Qn? Eh bien, l'attribut Qn, donc l'attribut T-n de l'attribut total, eh bien, c'est l'attribut des ensembles qui ne dépendent que des coordonnées bn plus 1, bn plus 2, etc. Hein? Puisque quand je tire en arrière par l'application t au cran n, eh bien j'oublie les n premières coordonnées. Donc qu'est-ce qui me reste? Bah, les n suivantes. Mais ici, ce qui se passe... Alors aussi, et aussi, alors pardon, une minute avant de donner la formule, je peux aussi décrire l'attribut q. Q, c'est rien d'autre que l'attribut trivial. Hein, l'attribut trivial, c'est l'attribut des ensembles de mesure 0 ou 1. Hein, si j'ai un ensemble, une fonction qui ne dépend que des coordonnées bn plus 1, bn plus 2, etc., mais que c'est vrai pour tout n, hein, quand la mesure est une mesure produit, eh bien, l'attribut intersection, c'est l'attribut trivial, ça s'appelle la loi du 0-1 de Kolmogorov. Hein, c'est un truc classique. Hein, en théorie des probabilités, c'est que si on a un événement qui ne dépend que de ce qui se passe après le temps n, et que c'est vrai pour tout n, alors cet événement pour mesure 0 ou 1. Et donc, une interprétation en termes de dynamique, hein, on dit qu'un système dynamique est exact quand l'attribut q, c'est l'attribut trivial. Hein, c'est bon, une notion rapide. Notion, hein, quand les gens essaient de classer les systèmes dynamiques, etc., il y a cette notion qui apparaît. Et la loi du 0-1 de Kolmogorov, en théorie ergodique, on dirait, les décalages de Bernoulli sont des systèmes dynamiques exacts. Voilà, bon, c'est que du langage. Hein. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on a cet objet, et ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'on se moque complètement, en réalité, de la loi du 0-1 de Kolmogorov, je ne vais pas l'utiliser. Bon, on sait quand même que c'est vrai, c'est sympathique, mais on ne va pas s'en servir. Et ce qu'on va utiliser, c'est le fait qu'on a une formule pour calculer ça. Une formule qui vient précisément du fait que l'attribut est une tribu produit. Et alors, qu'est-ce que c'est cette formule? Ben, elle dit que si j'ai une fonction, phi, que je veux calculer son espérance conditionnelle, donc qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, je veux moyenner, hein, c'est un raisonnement de type mesure conditionnelle, je veux moyenner les valeurs de phi, hein, sur... les n premières coordonnées. Je veux récupérer, quand j'applique cet opérateur, je veux une fonction qui ne dépende plus des n premières coordonnées. Donc je vais moyenner les valeurs de phi. Mais justement, l'espace, c'est un produit de ce qui se passe sur les n premières coordonnées avec le suite. Donc ça, ça va juste être l'intégrale sur g puissance n. Hein, les coordonnées, elles vivent dans mon groupe g. Bon, ce serait général, hein, je n'utilise pas du tout le fait que l'alphabet ici, de mon décalage de Bernoulli, c'est un groupe de phi de g1. Gn, donc je l'évalue, hein, en un point B, ça c'est une fonction, eh bien, les n premières coordonnées, je mets n'importe quoi, puisque j'ai le droit de moyenner. Donc je mets n'importe quoi, et puis à partir du grand n, alors attention, ça doit dépendre des coordonnées suivantes de B. Donc je mets Bn plus 1, etc. Hein? Et ça maintenant, je moyenne, ben justement c'est une mesure produit. Donc je moyenne par rapport à la mesure naturelle, hein, sur les n premières lettres. D'accord, j'ai un alphabet. Pour avoir un espace produit, il faut un alphabet, puis on fait le produit de ce qui se passe, hein, sur chacune des lettres. Et donc, si on s'amuse à vouloir oublier la dépendance en les n premières lettres, ben, faut moyenner par rapport à la mesure sur chaque lettre. Alors, donc ce point-là, il va souvent apparaître. Donc, j'ai envie de dire ce qui vient après, c'est le décalage puissance n appliqué à B, hein, et que je rajoute des lettres devant. Donc, symboliquement, hein, je vais noter comme ça ce point-là, pour éviter de mettre des virgules, des traits, etc. D'accord. C'est-à-dire c'est la suite, dont les lettres à partir du cran n plus 1, c'est les lettres de B, et puis sur l'écran 1 à n, c'est les G1, G2, Gn. Hein? Voilà, c'est pas une action de groupe, c'est ça que je veux dire, hein? C'est juste une notation d'une suite. Voilà, alors, ça c'est la formule
Donc on peut reformuler hein, la loi du 0,1 de Kolmogorov en disant que si je prends n'importe quelle fonction, pour presque toute suite B, quand je prends cette suite d'intégrales là, eh bien elle converge vers l'intégrale de phi. L'inspérance conditionnelle d'une fonction contre l'attribut trivial, c'est juste l'intégrale de la fonction. D'accord ? Donc la loi du 0,1 de Kolmogorov, elle dit, quand je prends cette suite-là, presque sûrement, elle converge vers l'intégrale de phi. On ne va pas l'utiliser, mais c'est ça que ça dit. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens hein, à la situation dynamique qui m'intéresse. C'est la situation d'un système dynamique fibré. Et là, vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas utiliser étudier nu, mais étudier les nu B. Depuis le début, je vous dis, quand j'ai mon groupe G, là pour l'instant j'utilise juste, vous voyez, il n'y a pas d'espace homogène ni rien. Maintenant je vais dire, bon espace, mon système dynamique sur lequel je veux regarder les tribus Q, ça va être un système qui va être fibré au-dessus du Bernoulli, et la fibre, elle vient du fait que j'ai un espace X, que j'ai une action de mon groupe G sur X, il y a une mesure de probabilité, donc j'ai mu sur G, là j'ai nu, et j'ai le produit de convolution, mu étoile nu, là qui est égal à nu, j'ai une mesure stationnaire. Et alors depuis le début, je vous dis, une mesure stationnaire, eh bien, je préfère la regarder, hein, j'introduis les nu B, donc je pousse par B1, Bn, la mesure nu, ça converge vers nu B, j'ai cette magnifique relation d'équivariance, nu TB égale B1 moins 1 nu B, et depuis le début, je dis, en fait, je préfère utiliser nu B. Et donc là, je vais vous dire précisément pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette formule d'espérance conditionnelle que j'ai écrite là, eh bien, dans le système fibré, elle va encore être vraie. Hein. Et ça, c'est une propriété qui est associée à la relation d'équivariance. Donc, donc je vais introduire, hein, j'ai introduit, on a vu la dernière fois que toutes ces relations d'équivariance qui apparaissent ici, là, VB, TB, B-1-X, etc., c'est des relations au-dessus d'une certaine dynamique. C'est-à-dire, je décale la suite et j'applique B1-1. Au lieu d'appliquer B1, j'applique B1-1. Hein. Si j'appliquais B1, la mesure naturelle à regarder serait la mesure bêta tenseur nu. Mais moi, j'ai envie de regarder la mesure fibrée, où sur chaque fibre, ce que je vois, c'est nu B. Donc ça veut dire, j'introduis BX, hein, j'ai déjà introduit ces notations la dernière fois, c'est B croix X, mais simplement, je mets cette notation-là parce que la mesure que je vais mettre dessus n'est pas une mesure produit. Hein. Je veux bien insister sur le fait que cet espace n'est pas un espace produit. Par contre, c'est un espace fibré. C'est-à-dire que je le munis la mesure bêta X. Alors, je l'ai noté comme ça la dernière fois, je le remets. D bêta de B, c'est une intégrale sur B. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mesure hein. Maintenant qu'on sait parler mesure conditionnelle, j'ai une base qui est B. La fibre au-dessus de chaque point, c'est x. Et donc, on sait que d'écrire une mesure, quand on a une situation fibrée, d'écrire une mesure, ben c'est d'écrire une mesure sur la base et une mesure conditionnelle sur chaque fibre. Hein. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ben, je regarde la mesure dont la projection est la mesure bêta sur la base, et la conditionnelle au-dessus d'un point B, c'est la mesure nu B. Hein. Maintenant qu'on a ce langage des mesures conditionnelles, là j'avais rapidement fait ce dessin la dernière fois, mais il s'insère dans ce vocabulaire des mesures conditionnelles. Hein. J'ai une fibration, donc donner une mesure sur la fibration, ça revient exactement à donner une mesure sur la base et une mesure sur la fibre. Donc c'est ça que je note symboliquement comme ça, hein, ce que je veux dire, c'est cette mesure fibrée. Voilà. Et alors maintenant, du fait... Donc il y a une transformation sur cet espace, hein, qui est celle qu'on voit apparaître dans toutes ces relations d'équivariance qui sont écrites au-dessus, qu'on a utilisées déjà, dont on a dit qu'elle était ergodique quand la mesure nu est mu ergodique, c'est la transformation Tx de Bx égale Tb B1 moins 1x. Donc cette transformation, eh bien, du fait de la relation d'équivariance, hein, elle va préserver cette mesure bêta-x. Mais la relation d'équivariance, c'est pas équivalent au fait qu'on préserve, c'est plus fort. Hein. Et précisément parce que je pourrais, si je faisais la même chose, mais qu'au lieu de B1, je mettais... Vous voyez, quand je m'intéresse au cas, au système dans le bon sens, c'est-à-dire que au lieu d'appliquer B1 moins 1, j'applique B1, ben, je préserve une mesure produit, qui est la mesure produit de bêta avec nu. Et précisément, bah dans cette mesure produit, on n'a pas une relation d'équivariance pour les conditionnels dans la fibre. Pourtant, on a une mesure qui est invariante par la dynamique produit fibré.
D'accord. Donc, cette relation, c'est pas équivalent. Hein, si la base, c'est-à-dire que quand j'ai une relation de ce type, si la base est bijective, si j'ai une relation de ce type sur une mesure fibrée, elle est équivalente au fait qu'on préserve la mesure fibrée. Mais quand la base n'est pas bijective, c'est pas équivalent, c'est plus fort. Et en fait, c'est équivalent au fait que si on a une formule d'espérance conditionnelle sur la base, elle se remonte dans la fibre. C'est absolument équivalent. Hein, c'est un exercice de théorie de la mesure. On l'a rédigé dans l'article avec Yves, c'est illisible. Tout le monde a râlé parce qu'on avait mis ça. C'est parce que, à un moment, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la proposition, ce qu'on se, hein, c'est que à cause de ma relation d'équivariance, hein, si j'ai une fonction phi qui appartient à L1 de Bx pour la mesure bêta x, si je note Qnx, c'est l'attribut, j'ai pas donné de nom à l'attribut, hein, l'attribut complété de l'attribut produit, je l'appelle Bx ici. Qnx, c'est l'attribut image inverse par Tx au temps n de la mesure bêta x. D'accord. Eh bien, l'espérance conditionnelle de phi contre l'attribut Qnx, évaluée en un point Bx, c'est rien d'autre. Eh bien, c'est la même formule. Elle est où la formule? Je l'ai effacée? Non, elle est là-haut. Vous avez la formule là-haut. Ben, c'est la même formule. C'est l'intégrale sur g puissance n de phi du point, donc que j'ai dit que dorénavant je l'appellerai comme ça. Et puis là, il faut mettre un x. D'accord? Mais alors, qu'est-ce que c'est que le x? Ben, une fois que j'ai changé le x, ça doit être quelqu'un qui, quand je lui applique le x prime qu'il faut mettre ici, c'est quelqu'un qui commence, qui, quand je lui applique la dynamique au cran n, doit tomber au même endroit que bx. Hein? L'attribut que au temps n, c'est l'attribut qui dépend que des images des points au temps n de la dynamique. D'accord? Donc le gars que je dois mettre là, au temps n, quand je prends le gars dont la première composante c'est ça, et la seconde composante c'est ce que je vais mettre dans une minute, au temps n, il doit arriver au même endroit que bx. Donc il n'y a qu'une seule formule possible, c'est g1, gn, bn-1, b1-1, x. Hein? Donc le point c'est, dans la fibre, j'ai une dynamique fibrée, mais dans la fibre, j'agis par des bijections. D'accord? Donc une fois que j'ai dit comment je changeais le début du mot ici, je suis coincé. Pour arriver au même endroit que Bx, au cran n de la dynamique, je suis obligé de mettre ça. Et le point ici, c'est que la mesure que je mets là, je moyenne ça, par rapport à la même mesure que sur la base. Hein. C'est-à-dire, j'ai cette formule qui marche sur la base de ma dynamique fibrée, et nécessairement, quand je regarde la formule dans la dynamique fibrée, bien, quand je calcule une espérance conditionnelle contre l'attribut Q au temps n, je dois moyenner les valeurs de la fonction contre les gens qui, au temps n de la dynamique, rejoignent Bx. Hein. Donc, les gens qui, au temps n de la dynamique, rejoignent Bx, bah, c'est ceux-là. Ils s'écrivent nécessairement sous cette forme. Mais maintenant, la mesure, mais maintenant, je dois moyenner la fonction, hein, sur ces gars-là pour une certaine mesure vivant sur l'ensemble des gars qui sont de cette forme. C'est ça l'espérance conditionnelle. Hein. J'ai une tribu, je sais que j'ai une mesure conditionnelle qui vit sur l'ensemble des gens qui s'écrivent de cette façon-là. Et le point, c'est que la mesure conditionnelle, ici, elle ne dépend pas du x. C'est ça. Ici, c'est vraiment le point important dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. C'est que si je change de x, quand j'ai fixé le b sur la base, si je change de x, ben, j'ai paramétré la fibre d'une façon où je vois toujours la même mesure sur la fibre. D'accord? Et cette propriété-là, qu'il y a quelque chose ici, hein, le fait qu'il y ait une mesure qui vérifie ça, c'est normal, c'est juste le fait qu'on a une espérance conditionnelle. Quand on a une espérance conditionnelle dans des espaces de Lebesgue, ben, ça a des mesures conditionnelles. Le fait que la mesure ne dépende pas du point, alors ça c'est absolument crucial, et c'est complètement équivalent à la relation d'équivariance. Hein. C'est parce que j'ai la relation, je ne vous le fais pas parce que ça fait des intégrales énormes comme ça, mais c'est complètement formel. Hein. C'est complètement équivalent à la relation d'équivariance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important, et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler avec les nubés. C'est que si on essayait d'écrire une formule comme ça, mais pour la dynamique dans l'autre sens, eh ben, on aurait une formule comme ça. On pourrait essayer de décrire un petit peu la masse qui apparaît, la distribution qui apparaît, mais elle dépendrait a priori du point X. Voilà. Et donc,
Donc ça, c'est un phénomène. On a étudié ces systèmes, là, on a essayé de faire des choses là-dessus pendant des mois, avant de comprendre qu'il fallait pas, justement, que c'était dans cet espace qu'il fallait travailler. Hein, que c'était avec les nubés et pas avec la mesure nue. Et là vraiment, j'insiste, hein, parce que c'est un point essentiel dans tout ça, c'est parce qu'il y a cette formule. Et cette formule, elle est équivalente à la relation d'équivariance ici. C'est une traduction de la relation d'équivalence. C'est pas évident, hein, mais je veux dire, enfin, une fois qu'on l'a, une fois qu'on se dit c'est équivalent, il n'y a aucune subtilité dans la démonstration. C'est que des calculs formels, quoi. Mais je veux dire, le point, c'est que on va exploiter la relation d'équivalence sous le fait qu'on a sous la forme de cette formule. Parce que maintenant, j'ai le théorème de convergence des martingales. Donc je sais que ça a une limite. Hein? Et donc si par exemple phi, c'est la fonction caractéristique d'un ensemble de grosses mesures, bah, cette limite, elle est partout grosse. En tout cas, sur un ensemble de grosses mesures, elle est grosse. Et donc ça veut dire que quand je pars d'un point, ben, si je regarde à première composante fixée, j'ai des familles, hein, dans une orbite sous le groupe, j'ai des familles d'éléments qui ont tendance à s'équidistribuer. Et c'est exactement les propriétés du type de celles que je vous ai annoncées quand je vous ai dit comment on allait exploiter les propriétés des mesures conditionnelles. Donc c'est cette formule que je vais exploiter. Okay. Hein, parce que maintenant, la gratuite, vous voyez, c'est que du langage. Donc gratuit, par le théorème de convergence martingale, je sais que ça a tendance à s'équidistribuer. Donc je sais que dès que j'ai un groupe, hein, c'est très général, j'ai un groupe qui a une mesure mu, et ben, par rapport à la mesure nu b, ce genre d'objet-là, ça a tendance à s'équidistribuer. C'est ça que je vais... Voilà. C'est le phénomène abstrait général de théorie de la mesure. Et donc maintenant, ben, je vais essayer de comprendre. Hein, le point, c'est que maintenant, vous voyez ce qui se passe. C'est que si je suis dans une situation espace homogène, donc je travaille, hein, voilà, il faut toujours penser, b, il va être fixé. Et donc j'ai des points qui ont cette tête-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, nu b, hein, je vous ai dit, si nu ne charge pas les points, nu b ne charge pas les points. Donc, en particulier, ben, ce théorème, puisqu'il est vrai, à b fixé, il est vrai nu b presque partout, il est vrai sur des points proches. Donc, je vais l'appliquer à des points proches. Alors, au début, évidemment, il n'y a qu'un seul élément du groupe que j'agis, par lequel j'agis. Donc, il y a deux trajectoires. Mais il y a un moment, là, le gars que j'applique, c'est un mot aléatoire pour un produit de matrice aléatoire. Et donc, si j'ai deux points qui diffèrent par une petite translation du groupe, ben, ce que je suis en train de faire, c'est que j'applique à cette petite translation un produit aléatoire de matrice. Et ça, par la théorie de Fürstenberg, c'est exactement comment ça se comporte. Hein? Donc, je vais jouer avec ça. Hein? Pour l'instant, je ne vous ai pas dit exactement comment j'allais appliquer, mais c'est ça la stratégie. Hein? C'est vraiment l'idée de la dérive exponentielle, c'est qu'on a cette formule d'espérance conditionnelle, hein? Et quand on l'applique à des points proches, hein, Dans Ratner, on prend le théorème d'ergodique de Birkhoff, on l'applique à des points proches. Et on regarde comment les orbites divergent. Et ici, cette partie-là, on ne sait pas comment la traiter. C'est un mot du groupe. Mais en tout cas, c'est le même. Et puis alors, quand on arrive là, alors là, c'est vachement bien, parce qu'on tire au hasard une matrice, hein, on fait n tirages aléatoires pour la mesure de probabilité, hein, c'est ça que dit cette formule, c'est que c'est la mesure de probabilité puissance n, là. Et on a un produit de matrice aléatoire qu'on applique, et bien ça, on sait très bien comment ça a tendance à développer les vecteurs. On a la théorie de Fürstenberg que je vous expliquais en long, en large, en travers pendant les premières séances. Parce que j'avais ça en tête quand même, c'est pour ça que j'ai autant passé de temps dessus. Voilà. Alors, donc maintenant je vais rentrer dans la dérive elle-même, c'est-à-dire je vais appliquer cette formule et je vais faire des hypothèses. C'est ce que je vous avais dit, c'est que maintenant je vais faire des hypothèses pour. Je vais commencer par traiter un cas particulier. Peut-être que je vais garder ça. Donc, qu'est-ce que c'est que mes hypothèses? Eh bien, je veux pas être embêté avec le fait que l'algèbre de Lie peut avoir plusieurs composantes irréductibles. Donc, je vais supposer que l'action adjointe, hein, donc ça, c'est une hypothèse que je vais faire pratiquement jusqu'à la fin aujourd'hui. Je vais supposer que quand je prends l'action adjointe de gamma U, sur l'algèbre de Lie, cette action est irréductible. Bon, ou fortement irréductible, c'est pareil, puisque je supposais que l'adhérence de Zariski était connexe. Et donc ça, essentiellement, il y a deux cas, hein, bon, à des revêtements près, il y a deux situations où ça se produit, parce que c'est quand même gros, on a un sous-groupe d'un groupe de Lie, on demande que son action adjointe soit irréductible, donc le groupe de Lie lui-même, son action adjointe est irréductible en particulier. Hein. Donc il n'y a pas 36 cas, en fait, ça veut dire essentiellement à des revêtements près, ce que je suis en train de dire, c'est que soit G est simple,
et Gamamu, les Aristidans d'Angers. Donc ça, c'est un exemple dont j'ai déjà parlé, par exemple, hein, G égale SL de R, quotienté par un réseau, hein, enfin, voilà, lambda égale SL de Z, et puis gamma mu, c'est un sous-groupe d'Aristidans de SL de E, et puis l'autre cas où ça se produit, eh ben, c'est adhérvêtement présent, encore une fois, hein, G, c'est, on peut dire, voilà, G, c'est gamma mu, produit semi-direct, le tor TD, peut-être, non, voilà, on va dire essentiellement, G, c'est un sous-groupe de SLDZ, produit semi-direct, le tor TD, lambda, c'est SLDZ, inter G, voilà, et à ce moment-là, gamma, eh bien, il agit par automorphisme. Gamma mu, sa partie linéaire va être aristidance dans SLDZ, et il agit par automorphisme affine. Non, enfin, gamma agit par automorphisme affine sur ce tor, hein, sur TD. Et gamma mu, l'hypothèse d'irréductibilité, dit que gamma mu agit fortement irréductiblement sur RD. C'est-à-dire, ça, c'est les deux situations, essentiellement, où on a un groupe de Lie et un sous-groupe gamma du groupe de Lie qui agit irréductiblement sur l'algèbre de Lie. Voilà. Alors, dans ces situations, donc c'est ça qui m'intéresse, hein, soit, hein, je vais classer les mesures stationnaires, encore une fois, soit pour un sous-groupe d'Aristidans d'un groupe simple G agissant dans G sur lambda, soit pour un groupe d'automorphisme d'un tor qui agit de façon irréductible, fortement irréductible, sur le RD tangent au tor. Alors, donc dans ce cas-là, j'ai toujours mon application B donne VB, hein, mais j'ai aussi ce que j'ai appelé taux la dernière fois. Taux, c'est quoi? C'est une application qui va de B dans R, et j'ai dit que quand je prenais un V qui était dans VB, ouais, alors si on mettait, parce que ça c'est un V gothique, ça se voit pas beaucoup quand j'écris, quoi. Mais quand, c'est un vecteur dans un V gothique, c'est pas terrible. Bon. V différent de 0, j'ai dit que quand je faisais la norme de B1 moins 1V divisé par la norme de V, c'était à une constante près, C universelle, égale à exponentielle moins taux B. Hein, j'ai introduit une fonction qui vérifiait ça, peut-être pas la dernière fois, l'avant-dernière fois. J'ai dit quand j'ai une action fortement irréductible, j'ai cet espace VB, et ben, je sais que j'ai une fonction, hein, qui vérifie cette propriété-là. Hein. Quand VB de dimension 1, c'est immédiat, et quand VB de dimension plus grande, j'ai dit que c'était ça qui se passait, et l'intégrale de taux d bêta, elle est strictement positive, et c'est l'exposant de Lyapunov. Donc j'ai une fonction comme ça, et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Voilà. Alors ouais, pourquoi, où je veux utiliser fortement irréductible? Eh bien, je vais l'utiliser pour dire qu'il n'y en a qu'une fonction comme ça. Parce que quand la représentation n'est pas fortement irréductible, quand elle est somme directe d'irréductible, eh bien, chaque composante VI me donne une fonction. Hein? Il n'y a pas de raison que ces fonctions se comportent pareil. D'accord? Donc c'est là que je vais utiliser fortement irréductible, c'est pour dire que j'ai qu'une fonction à traiter. Le comportement asymptotique de la norme des matrices, hein, est donné par une fonction. Et alors, oui, parce que j'ai écrit ça, mais en fait, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Excusez-moi, c'est que quand je prends le temps n ici, c'est encore égal à une constante près à exponentielle moins la somme de Birkhoff. Ouais. Il y a une fonction qui vérifie ça, et voilà, c'est que la constante, elle dépend pas du n. Hein. Et voilà, et l'intégrale de taux d bêta est strictement positif, c'est-à-dire que cette somme de Birkhoff, elle va partir linéairement vite vers l'infini. Donc cette norme-là, quand j'agis de cette façon-là, elle a tendance à diminuer exponentiellement vite. Voilà, donc j'ai cet objet qui arrive, et maintenant, donc on va voir dans une minute à quoi il sert, et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est d'écrire maintenant, c'est des mesures conditionnelles. Donc ces mesures conditionnelles, pourquoi? Eh bien, j'ai ce groupe, VB,
Hein, et j'ai envie de montrer que la mesure nubée, hein, c'est ça tout mon truc au-dessus, c'est de montrer que la mesure nubée, elle a essentiellement des propriétés d'invariance sous VB. D'accord ? Donc, ces propriétés d'invariance, je vais les détecter comment ? Avec le petit critère que j'ai donné tout à l'heure, et je vais donner, donc je vais étudier les conditionnels hein, de ma mesure nubée sous l'action du groupe VB. Donc je peux définir, donc, et alors ce qui va se passer, c'est que donc, j'ai cette action là, du groupe VB, et je vais définir rho BX. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une mesure de Radon sur le groupe, alors sur le groupe, j'ai noté grand VB. Hein. Grand VB, c'est l'exponentielle de l'algèbre de Lie petit VB. Donc c'est la conditionnelle hein, pour l'action pour l'action naturelle de VB sur X, j'ai sur lambda muni de la mesure nubée. Hein. J'ai une action d'un groupe sur un espace borélien standard muni d'une mesure. L'action n'a aucune raison pour l'instant de préserver la mesure, mais je peux détecter les obstructions à préserver la mesure par cette mesure conditionnelle. Et la relation d'équivariance s'applique encore, c'est-à-dire que comme tout est unique, rho TB B1 moins 1X, eh bien c'est rien d'autre que l'action adjointe de B1 puissance moins 1 appliquée à rho BX. Hein, c'est-à-dire puisque l'action adjointe envoie VB sur VTB, hein, elle envoie les mesures de Radon à normalisation près sur VB sur les mesures de Radon à normalisation près sur VTB. Donc, pour l'instant, cet objet n'est pas génial, parce que j'aimerais bien voir ça comme un objet vivant au-dessus de toute la dynamique TX. Et là, vous voyez, le problème, c'est que l'espace vers cette application, BX donne vers BX, ben, elle arrive vers un certain espace, mais qui dépend de B. Hein. Donc, je vais tout renormaliser. Parce que pour faire la théorie ergodique, je préfère avoir des applications qui arrivent vers un espace fixe. J'aime pas les sections fibrées, donc je préfère des applications vers un espace fixe. Alors c'est ce que je vais faire. Parce que tous mes VB, ils sont conjugués les uns entre les autres dans le groupe G. Pourquoi ? Parce que à cause de la relation d'équivariance, hein, si vous regardez, on a déjà fait ce raisonnement-là la dernière fois, comme vous avez VTB, qui est l'action adjointe de B1 puissance moins 1 de VB, eh bien, quand vous regardez l'orbite de cette algèbre de Lie dans la Grassmannienne sous l'action du groupe des automorphismes de l'algèbre de Lie, eh bien, vous voyez un point fixe. Et quand vous avez un groupe algébrique qui agit sur une variété algébrique, l'espace quotient est toujours standard. Il n'y a pas d'ergodicité pour les actions de groupe algébrique, ce qu'on appelle un terme de licité. Si vous avez G qui est un groupe algébrique, qui agit de façon G, il agit sur une variété algébrique par une action qui est un morphisme, hein, c'est-à-dire de façon à ce que l'application G croix V dans V soit un morphisme de variété, eh bien l'ensemble V sous G, c'est un espace, du point de vue de la structure borélienne, c'est une structure borélienne standard. Hein. Il peut y avoir des orbites dont l'adhérence contient d'autres orbites, etc. La topologie n'est pas forcément bonne, mais la structure borélienne, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un espace standard. Donc ça veut dire que si je regarde l'application qui a B, hein, cette, la dimension, hein, à cause de cette relation d'équivariance et de l'ergodicité du shift, ici, par rapport à la mesure produit, la dimension de VB, elle ne dépend pas de B. D'accord ? Et si je regarde l'application qui a B associe le... Je vais de B, hein, B donne l'orbite sous le groupe des automorphismes de G, de l'algèbre de Lie VB. Donc ça va de B dans la Grassmannienne des R sous-espace de l'algèbre de Lie quotienté par le groupe des automorphismes. Cette propriété me dit que cette application est invariante. D'accord ? Donc toutes ces algèbres de Lie, par l'ergodicité du décalage, elles sont conjuguées les unes entre les autres. Donc je veux en fixer une. Vous voyez, j'ai une section de fibré. Quelque part, OBX, c'est une section de fibré. J'ai envie d'en faire une vraie application. Donc il faut que je trivialise mon fibré. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Point de vue mesuré, un fibré, c'est toujours trivial. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis ici ? Je dis que je vais choisir une fois pour toutes une sous-algèbre de Lie V0. Hein, et
Et je vais choisir une application S qui va de B dans le groupe des automorphismes de G, tel que VB, c'est S de B, V0. Voilà. Et puis alors, bon, ben là, c'est un peu de théorie de structure des groupes de Lie, mais c'est assez facile de voir qu'en fait, S de B, on peut supposer que c'est une isométrie. Hein, c'est, vous voyez, si vraiment l'orbite ici, dans le cas, dans le cas abélien, hein, l'orbite, ben les automorphismes de l'algèbre de Lie, ce serait juste SLDR, et l'orbite, ce serait toute la Grassmannienne. Hein. Et donc, ben, le groupe, le SOD, il agit transitivement sur la Grassmannienne. Voilà. Et l'orbite, en fait, elle est toujours fermée, l'orbite qui joue un rôle ici. Hein. C'est pas très difficile. C'est essentiellement des raisonnements proches de ceux qu'on a fait la dernière fois. Enfin, ou alors c'est juste la théorie des représentations. Enfin, c'est, voilà. L'orbite, elle est toujours fermée. Et donc, en fait, je peux, ici, c'est pas très dur de montrer qu'on peut supposer que S de B, c'est une isométrie. Voilà. Je vais pas le faire parce que sinon, je vais jamais terminer. Voilà. Donc, le S de B, c'est une isométrie. Hein. Et du coup, maintenant, bah, mon action ici, je peux l'écrire. Comme l'action d'un... je peux l'écrire... Voilà, et dans le même goût, excusez-moi, je prends une minute. Ici, là, j'ai dit que ça, c'était à une constante près, mais en choisissant bien la norme, on peut supposer que c'est égal. Hein? J'ai supposé, là, je reviens en arrière une minute, hein, que vraiment, l'action de mes matrices, là, dans cet espace VB, c'est une similitude. Hein? Je commence à faire des simplifications, là. Voilà, c'est pas, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez quelque part un machin qui est égal à quelque chose, à un cocycle borné près, et donc le cocycle, une fois qu'il sait qu'il est borné, ben, il est homologue à une constante, enfin, il est homologue à 1, c'est pas très difficile. Voilà, enfin, je veux dire, c'est la structure, mais il n'y a pas de problème, on peut supposer que c'est égal. Donc, qu'est-ce que c'est un théorème de points fixes pour des actions des espaces symétriques, quand vous avez un groupe compact d'isométrie je suis en train de dire essentiellement que quand on a un sous-groupe compact de GLN, il présente un produit scalaire. Hein. C'est quelque chose comme ça que je suis en train de dire, quand je dis que c'est égal. Hein. C'est juste ça. Bon, j'entre pas dans les détails, mais il n'y a pas de problème, on peut dire que c'est égal. Voilà. Alors maintenant, du coup, mon action de VB, je veux la voir comme une action de V0 sur l'espace B croix X. Et donc, je vais définir, quand j'ai U qui appartient à l'exponentielle de V0, que j'ai noté V0, eh bien, je vais définir phi U de BX, qu'est-ce que c'est? Ben, je suis à la place B, donc il faut que j'assiste par le groupe VB. Donc ce sera B, et je prendrai S de B U de X. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est ça. Ça va? Ça fait sens ce que j'ai dit? Peut-être pas tout à fait. Hein? Je veux agir, je veux remettre... Hein? Le groupe, donc c'est plutôt U, il s'écrit comme exponentielle de V, d'accord? Et c'est S, c'est exponentielle de S de B, V, appliqué à X. Voilà, là, ça a du sens. Hein? Et alors, maintenant, le point, c'est que cette application, ben, du fait de cette relation ici, hein, je veux traduire la propriété d'équivariance. Maintenant, je ne vois plus la propriété avant... Hein, j'agissais à la place B, j'agissais par VB, et j'avais un bon lien entre le shift TX agissant sur BX et l'action de ce qui se passait à la place B. D'accord ? Et ça se traduit, donc ça c'est immédiat, hein, par le fait que si vous prenez TX de phi U BX, hein, eh bien ça qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est si U s'écrit exponentielle V, c'est l'exponentielle. C'est phi de l'exponentielle de exponentielle moins taux b. Hein. Le point, c'est que quand j'agis par b1 puissance moins 1, je passe de vb à v taux b. Mais quand je passe de vb à v taux b, bah, la norme, je l'ai changée, je l'ai multipliée par exponentielle moins taux b. D'accord? Donc, puisque je l'ai multipliée par exponentielle moins taux b, mais que j'ai dit que mon s de b, là, la section, c'était une isométrie, d'accord? Quand je pousse, bah, je dois avoir d'une façon ou d'une autre contracté mes vecteurs par exponentielle moins taux b. Si vous faites le calcul, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez poussé, mais U, vous l'avez multiplié par exponentielle moins taux b, et puis peut-être que vous l'avez fait tourner. Donc il y a un θ de b, hein, ici, et puis là c'est U, qui agit sur Tx de bx. Ça c'est juste, je vous dis, le fait que, puisque
j'ai normalisé tous les VB par une isométrie, et puisque l'action de B1 puissance moins 1, eh ben, ça prend la norme de VB et ça la contracte en exponentielle moins taux B, nécessairement, l'action du shift ici, eh ben, elle va contracter le U. Et alors θ, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va de B dans les isométries de V0. Hein? Essentiellement, c'est juste S de TB puissance moins 1 S de B ou quelque chose comme ça. Non, le problème, U est dans la... U, il est dans V0. Ouais. Normalement, c'est bon. Ça, c'est un nombre. Ça, c'est une isométrie, ça, c'est un vecteur. Donc, ah, pardon. De V. Pardon. Hein, U, il s'écrivait exponentielle V. Merci. Hein, ce que j'ai dit, c'est que au niveau des algèbres de Lie, j'ai contracté l'algèbre de Lie par exponentielle moins taux B. Voilà. Ça, c'est vraiment juste la traduction de cette propriété. Bon, c'est pour ça que j'ai enlevé le A1C près, parce que à un moment, si je mets plus un A1C près, ça va devenir absolument illisible. Parce que déjà que là, c'est pas très lisible. Hein. Voilà. Donc ce que je dis, c'est que qu'est-ce que c'est cette action phi U, hein, c'est j'ai une dynamique TX et j'ai envie de dire que les feuilles VB, là, c'est des feuilles stables. C'est-à-dire que sur ce feuilletage, la dynamique TX a tendance à contracter. Le fait que c'est vrai, c'est à cause de ça. D'accord? Quand TX agit, bah, il multiplie ce qui se passe sur la feuille VB par en norme par exponentielle moins taux B. Donc si je renormalise tous les VB, hein, de manière uniforme, c'est-à-dire que je les écris tous comme une isométrie fois un V0, ben je dois voir que la dynamique, elle contracte en exponentielle moins taux B. C'est juste ce que j'ai dit. Hein. Et là, il y a un θB qui est une isométrie, donc je vous dis, c'est juste S de TB puissance moins 1 S de B. Hein. Voilà. Hein, puisque un truc comme ça. Peut-être S de TB, enfin bon, je ne sais plus. Mais non, c'est bien, il y a le B1 quand même. Bon, bref, vous l'écrirez. Voilà. Donc en tout cas, j'ai cette propriété. Voilà. Donc qui va m'être utile, c'est-à-dire que je vois vraiment la feuille stable d'une dynamique. Alors, comment varie maintenant, à cause de cette propriété, eh bien, je peux suivre maintenant les mesures que j'ai appelées rho bx, je vais les transformer en des mesures qui vivent sur V0. Hein, c'est-à-dire que je vais noter psi bx, ce sera juste s de b puissance moins 1 rho bx, hein, ou encore, c'est juste la mesure conditionnelle, hein, le long de l'orbite du groupe phi u pour cette action, ici. Et la relation d'équivariance, elle me dit exactement que psi de tb b1 puissance moins 1 x, et ben qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que exponentielle moins taux b, θb, psi bx. Hein? Donc en quel sens? Je vous rappelle ça, hein, c'est une mesure de Radon à normalisation près sur le groupe x, v0. D'accord? Donc ça, c'est une relation. Hein, sur le groupe v0, eh ben, y a l'action des isométries et il y a les contractions. D'accord? Et donc ça agit sur les mesures à normalisation près. Hein? Donc le long de la dynamique, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, hein, donc c'est... Eh bien, maintenant, imaginez que taux est constant égal à 1, une minute. Et que θ est l'identité. Allez, on imagine des tas de trucs. Imaginez ça. Et bien là, vous êtes en train de dire que si vous connaissez xi tb b1 moins 1x, vous savez calculer xi bx. D'accord? Donc en particulier, dans ce cas-là, eh bien, la fonction bx, avec cette hypothèse, hein, la fonction bx d'un xi bx, eh bien, elle est mesurable par rapport à l'attribut que. Puisque vous savez qu'elle ne dépend, en fait, vous savez la reconstruire à partir de ce qui se passe au cran 1 de la dynamique, donc au cran 2, au cran 3, etc. Donc ça, c'est la stratégie. Hein. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces constructions, c'est que ma mesure, c'est là il y a un input, c'est que la mesure conditionnelle, quand on l'a bien calculée, elle est mesurable par rapport à l'attribut que.
Alors évidemment, sous ces hypothèses. Hein. Donc, si vous avez, dans les situations que j'ai mentionnées, c'est jamais vrai que taux est égal à 1. Theta, on peut se débrouiller. Theta, vous voyez, moralement, c'est un genre de cocycle. Donc on peut toujours se débrouiller, le rendre... Enfin, il y a des cas, pardon, c'est pas vrai, mais il y a des cas où on peut se débrouiller pour avoir θ égal à 1. D'accord ? Taux n'est jamais égal à 1. Hein ? Donc dans tout ce que je... Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si taux était égal à 1. Et je vous expliquerai après comment on fait pour traiter le cas général, qui est en fait le vrai cas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous travaillez dans le cas péadique, hein, alors là, il n'y aura aucun problème pour faire des exemples où taux est égal à 1. D'accord. Donc, je vais continuer, je vais faire comme si taux et θ étaient, comme si taux était égal à 1, θ égal à 1, c'est-à-dire θ est l'identité, comme isométrie de l'espace V0. Hein. Et de toute façon, voilà, historiquement, si j'ose dire, nous, c'est comme ça qu'on a fait. C'est-à-dire, on a commencé par traiter le cas taux égal à 1, parce que, de toute façon, on savait qu'il y avait des exemples concrets, c'était vrai, c'est des cas périodiques. Hein. Donc, on peut se dire qu'au lieu de travailler dans SL2R sur SL2Z, on est en train de travailler dans SL2QP quotienté par un réseau. Et alors, pour certaines mesures de probabilité mu, on peut se débrouiller pour avoir taux qui est égal à 1. Il y a des exemples qui marchent. Voilà. Et on va déjà traiter ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On a une fonction qui est mesurable pour l'attribut Q. Et donc, la dérive, maintenant, je vais faire la dérive à partir de ma formule d'expérience conditionnelle. Là, j'ai mis en place tout ce qu'il me fallait pour faire la dérive, dans ce cas où taux est égal à 1. Et donc, avant de le faire, j'ai résumé maintenant hein, ce que je vais faire exactement. J'ai oublié la fonction d'espérance conditionnelle. Je voulais juste faire... ensuite, je vais l'appliquer à ça, mais je voulais faire cette construction pour vous montrer comment, en renormalisant, en prenant des sections, etc., à la fin, on se récupérait quelque chose qui était mesurable pour l'attribut Q. Donc maintenant, la proposition, c'est sous toutes les hypothèses que j'ai dites jusqu'à présent... Et en plus, en supposant taux égale 1 et θ égale l'identité presque sûrement, hein, eh bien, je vérifie sur mon papier parce que je ne veux pas me planter. Hein. Voilà, j'ai droit à une anti-sèche. Donc, je vais me donner un y qui sera un borélien standard. Et je vais me donner une application π qui va de l'espace que j'ai donné bx dans y. Je vous rappelle, x et g sur lambda, il y a une mesure mu, elle agit de façon irréductible, le sous-groupe André par sur la mesure agit de façon irréductible sur l'algèbre de Lie du groupe, j'ai la fonction taux, la fonction θ que j'ai construit, donc qui est une classe de cohomologie en réalité, et je suppose que cette classe de cohomologie c'est un cobord, et que ce taux est partout égal à 1. Je me donne maintenant une application comme ça, et qui est mesurable pour l'attribut Q. Donc ensuite, quand je l'appliquerai à ça. Moralement, c'est mon application mesure conditionnelle. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, je vous ai dit, donner une application mesurable, c'est donner une partition. Donc, l'idée, c'est que j'ai envie de montrer. Donc, donner une application comme ça, ça veut dire que j'ai partitionné en orbite. Et alors, ce que j'ai envie de construire, c'est la chose suivante. J'ai envie de montrer que quand j'ai dans mon orbite, à un endroit, j'ai l'action de mon groupe V0. Hein, et quand j'ai un point, X, il y a son atome pour la partition. Et ce que j'ai envie de construire, c'est un autre point X' qui est dans le même atome, et tel qu'il y a aussi un certain exponentiel U X' qui est toujours dans l'atome. J'ai envie de réaliser ça. C'est-à-dire que si la mesure, elle est invariante, si la partie attribut que est triviale, et que la mesure est invariante par translation, par ce groupe exponentiel U, là, eh bien, il n'y a pas de problème. Je peux toujours faire ce dessin, même je prends un x égale x', etc. OK ? Mais, donc j'ai envie de... cette proposition, c'est un premier pas vers l'invariance, c'est dire, bon, bah, alors si j'ai un atome de l'attribut Q, quitte à changer de point dans l'atome, je peux trouver un point tel que, en le poussant un peu par un temps de cette action-là, de V0, je reste encore dans le même atome. Hein ? Et en fait, ça suffira. C'est ça, la dérive, ça, je vous disais, ça c'est le résultat de la dérive, donc voilà encore le résultat de façon plus fine. Le résultat c'est ça. Donc maintenant je vais donner un énoncé formel, mais c'est exactement ça que j'ai en tête. Vous allez voir, parce que l'énoncé formel vous allez déguster. Alors, notre application est mesurable, donc je dis qu'il existe une constante C plus grand que 1, et ça c'est ça va être associé au fait que la mesure est compacte, la mesure est un support compact. Qui a la propriété que...
pour tout ensemble E inclus dans BX de mesure totale, eh bien, pour tout epsilon bêta, bon, on va le mettre comme ça. On va mettre pour tout BX qui appartient à BX, et pour tout epsilon strictement positif, il existe un point BX' qui appartient à E, tel que pi de BX est égal à pi de B'X'. Ok, donc c'est-à-dire là, je dis, hein, les atomes, c'est les fibres de cette application. Donc je dis, je suis en train de parler de ce X' là. D'accord ? Et j'ai dit que si j'avais une propriété qui était vraie presque partout, c'est-à-dire sur l'ensemble de mesure 1, je peux aussi supposer qu'elle est vraie en X'. D'accord ? Je peux le choisir dans l'atome et puis dans n'importe quel ensemble de mesure 1. C'est ça que je dis. C'est ça l'ensemble E. Vous allez voir dans une minute qui c'est E. Et il y a un point qui est dans le même atome, et il existe un vecteur V, donc je vais le prendre dans l'algèbre de Lie, V0, tel que la norme de V est comprise entre epsilon et C fois epsilon. Hein, je peux faire ça. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je peux avoir des translations arbitrairement petites ou arbitrairement grandes. Je m'en fous un peu. Hein. Voilà. Tel que quand je prends exponentielle, donc B prime exponentielle V, alors comment on l'appelait? Non, j'ai appelé ça phi. Quand je prends phi exponentielle V appliqué au couple B'X', eh bien, c'est encore dans E. Et pi de ce point eh bien, c'est égal à pi de B'X', qui est aussi égal à pi de Bx. D'accord ? Donc c'est exactement le dessin qui est là. J'ai dit, j'ai mon point, et j'aimerais bien que ma mesure elle ait des petites propriétés de stabilité par translation par cette action phi u. Bon, alors ce que je sais pas si c'est vrai, mais je peux souvent que si je change dans l'atome, si je remplace mon point par un autre point dans le même atome pour l'attribut que, alors il y a une petite propriété de stabilité très faible. Voilà. Et en fait, ça a l'air vraiment pas beaucoup, mais il se trouve que avec toutes les propriétés des mesures conditionnelles que j'ai données, hein, je vous ai dit, quand j'ai deux points, s'ils sont sur la même orbite, dire que la mesure conditionnelle prend la même valeur, ça veut dire que la mesure conditionnelle a une propriété d'invariance. Hein. Ben, si pi, c'est l'application de mesure conditionnelle, c'est exactement ce que j'ai fait. D'accord ? J'ai construit deux points. Hein. Pi, ça va être l'application mesure conditionnelle qui est là. Et donc, j'ai construit deux points où pi prend la même valeur. Et pourtant, il diffère d'une petite translation. Donc, j'ai montré que la conditionnelle avait une propriété d'invariance. Donc, j'ai montré que la conditionnelle ici avait une propriété d'invariance. Hein? Donc, j'ai construit une mesure et elle est invariante par des translations arbitrairement petites. Donc, elle est invariante par un groupe connexe. Et c'est ça, une fois que j'ai ça, hein, je vais dérouler, hein, le groupe connexe qui va préserver la mesure. C'est celui que j'ai appelé VBX, etc. D'accord? C'est ça la stratégie. Voilà. Donc, je pense que là, je vous ai à peu près convaincu qu'une fois qu'on a montré un résultat comme ça, c'est super technique comme formulation, mais on a gagné grâce aux constructions qu'on a faites de mesures conditionnelles, etc. Hein? Donc je vais le démontrer. Alors la preuve, hein, l'idée c'est d'appliquer la formule d'espérance, c'est de construire ce B'X' en partant de BX et en appliquant la grosse formule d'espérance conditionnelle pour être sûr de choper les points dans des ensembles de grosses mesures, etc. Bon, je vais le faire en détail. Alors, ce genre de truc, il y a toujours des passages à la limite. Hein, ça c'est vraiment des schémas de preuve standard dans cette théorie. Hein, c'est B'X', ça va être la limite d'une suite de points qu'on prend dans l'orbite, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va dès le début... Eh ben, on va s'assurer qu'on peut passer à la limite. Donc on se fixe un nombre alpha, strictement positif, qui va être arbitrairement petit ensuite, et puis on prend K1, inclus dans, je sais pas qui, inclus dans BX, hein, donc je munis BX de la topologie produit, en fait on s'en fout un peu de la topologie qu'on met, mais je prends K1, et puis c'est un compact, de toute façon les limites je vais les prendre fibre à fibre, hein, donc ça pourrait être un
Ce qui compte, c'est que ce soit l'intersection avec chaque fibre soit un compact. D'accord ? C'est un compact de mesure plus grande que 1 moins alpha. Et alors, sur ce compact, je vais supposer maintenant que toutes les applications qui apparaissent, c'est-à-dire B donne VB, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a que ça ? BX donne pi de BX, là, hein, les applications, toutes les applications que j'ai construites, je suppose qu'elles sont continues. Hein, ça, c'est absolument pas un problème. Quand j'ai un espace mesuré, alors vous allez me dire, il n'y a pas de topologie sur Y. Je m'en fous. Je mets n'importe quelle topologie pour laquelle la structure borélienne, c'est la structure à laquelle on pense, ça, ben, de toute façon, ça, ça reviendra au même. D'accord ? Donc, j'en choisis une, et à ce moment-là, je sais que il y a un ensemble de grosses mesures où mes fonctions sont continues. Il y a un compact de grosses mesures où mes fonctions sont continues. Ça s'appelle le terme de Lusin. C'est un exercice de théorie de la mesure. Voilà. Donc, je choisis un compact qui a cette propriété-là. Et maintenant, mon jeu, hein, ça va être d'arriver à fabriquer des points avec des théorèmes d'équidistribution et à les forcer à être dans mon compact. Alors oui, je ne vais pas le prendre dans BX, par contre, parce que je veux les forcer à être dans E. Donc, K1, je vais le mettre dans E. Hein, j'ai joué à faire atterrir des points dans K1 avec mon théorème d'équidistribution et à passer à la limite. Donc, ce qui va m'intéresser... Hein, c'est de regarder l'espérance conditionnelle. Ce que je sais fabriquer, c'est cette quantité-là. J'ai une formule pour ça, d'accord ? Qui me garantira que bah, je regarde la moyenne, hein, sur je regarde les points qu'on rejoint quelqu'un au temps n, et je regarde la proportion de ceux qui sont dans, dans K1. D'accord ? Donc ce que je vais lui appliquer, c'est le... Je sais que cette quantité, elle a tendance à être grande. Pourquoi elle a tendance à être grande ? Parce que ça... Ça tend vers, quand n tend vers l'infini, ça tend presque sûrement vers l'espérance conditionnelle de K1, alors j'ai noté avec un X, hein, contre l'attribut Q. Okay. Et maintenant, je prétends que cette fonction, bah cette fonction, sa moyenne, c'est 1 moins alpha. D'accord ? Et elle est partout, comme c'est l'espérance conditionnelle d'une fonction qui est comprise entre 0 et 1, elle est partout plus petite que 1. Donc quand vous avez une fonction plus petite que 1, dont la moyenne c'est 1 moins alpha, et ben vous savez que la mesure de l'ensemble, si j'ai appelé ça phi, où phi est plus grande que 1 moins racine de alpha, ça c'est plus grand que 1 moins racine de alpha. C'est à cause de l'inégalité de Chebyshev. Hein. Vous avez une fonction plus petite que 1, dont l'intervalle est grosse, ben nécessairement elle a beaucoup de points où elle est grosse. Quoi. Hein. Voilà. Alors donc du coup, ce que veut dire que j'ai cette limite ici qui est plus grande que 1 moins racine de alpha, et ici, j'ai quelque chose qui tend vers 1 moins racine de alpha. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain cran, ça va être plus grand que 1 moins 2 racine de alpha sur un ensemble de grosses mesures. D'accord ? Donc je choisis K2, inclus dans K1, ça c'est pour garantir, ça c'est juste pour garantir que les fonctions sont encore continues sur K2, tel que, et N0, un entier plus grand que 1, tel que l'espérance conditionnelle de phi, de la fonction caractéristique de K1 contre l'attribut QNX, ici, eh bien, elle est plus grande, alors j'en suis où là dans mes racines de alpha, mes machins, elle est plus grande que 1 moins 2 racines de alpha sur, sur quoi ? Sur K2, et simplement ce qui me manque, c'est la mesure de K2. Hein, je vais supposer que... Alors, je veux K2... donc, il faut que je perde un petit peu. Hein, donc, je vais dire que la mesure de K2 est plus grande que 1 moins 2 alpha. Hein, puisque j'ai une suite qui converge simplement, et ben, ça veut dire qu'il y a un moment où... quand je prends... si je me donne une petite marge ici, il y a un moment où c'est uniforme sur K2. Voilà. Donc ça, je peux fabriquer ça. C'est juste, encore une fois, elementary measure theory. J'y reparle en anglais. Et maintenant, j'applique ma formule. Hein. Donc je prends un X. Je prends un X qui appartient à K1. À K2, pardon. Hein, là d'où je veux partir. Donc je sais que cette quantité, hein, que dans la préorbite, dans les gens qui rejoignent X au temps n, il y en a une masse très très grande, alpha elle est minuscule, donc il y a une masse très très grande de gens qui vont tomber dans K1. C'est-à-dire, alors maintenant je vais l'écrire,
je suis en train de dire que l'intégrale, n, quand je prends n plus grand que n0, d'accord, l'intégrale sur g de la fonction caractéristique de k1 appliquée à ce que j'ai appelé g1, gn, tnb, alors ça je le connais par cœur là, à force, g1, gn, bn-1, b1-1x, d nu tenseur n de g1 gn, ça c'est plus grand que 1, moi je suis juste en train de réécrire ça avec ma formule pour l'espérance conditionnelle, c'est plus grand que 1 moins 2 racine de alpha. Hein? Donc ces gars-là, là, pratiquement tous ils sont dans k1. Et alors le jeu maintenant c'est que j'ai envie de prendre une suite xp qui est une suite de points qui est incluse dans k2 et telle que xp tend vers x. Et de, comme c'est dans K2, ça c'est vrai, pour, je peux remplacer x par xp là-dedans. Ok. Mais xp, il s'écrit exponentielle d'un petit vecteur vp fois x. Où vp, c'est un vecteur dans l'algèbre de Lie, et vp tend vers 0. Donc quand je vais faire ma formule, ben, je récupère exactement les mêmes points g1, gn. Hein, c'est tout le point, hein, c'est que cette formule d'espérance conditionnelle, ici la mesure ne dépend pas de x. Ce que je vous ai dit depuis le début, là, hein, c'est fondamental. Et donc, ici, ben, je vais appliquer d'une part ce mot-là, le même, je vais l'appliquer d'une part à x, d'une part à xp. Hein, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, la différence, je vais obtenir des bons hommes, là, dès que... Quand j'applique les mots là, qui apparaissent dans, dans l'espérance conditionnelle, dès que 1 moins 2 racine de alpha est strictement plus grand que 1,5, hein, eh bien, j'ai des mots de ce type qui appartiennent à K1, à la fois pour X et pour XP. Hein, puisque j'ai un ensemble de mesures, j'ai deux ensembles de mesures strictement plus grands que 1,5, ils s'intersectent. C'est la propriété fondamentale de la théorie de la mesure. Hein, c'est que quand deux ensembles sont strictement plus grands, quand la mesure est 1, s'il y a deux ensembles dont la mesure c'est strictement plus grand que la moitié, nécessairement ils s'intersectent. C'est, tout tourne autour de ça. Les conditionnels de ça, c'est de la blague en fait. Le point clé, c'est celui-là, vraiment. Hein. Donc ce que je vais arriver à fabriquer, c'est une suite G1, Gn, d'accord, telle que. Et quand je vais regarder le point associé, donc je vais l'écrire. Tel que G1Gn de TNB hein, appliqué à G1Gn Bn-1 B1-1x, il appartient à K1, mais la même chose avec XP. Ok ? Donc je commence à avoir ce que je veux, hein, c'est-à-dire que je veux avoir des points, et je contrôle très très bien la distance entre les deux. Pourquoi ? Parce que la distance entre les deux, eh ben, c'est exactement... La translation qui passait de l'un à l'autre, c'est l'action adjointe. C'est exponentielle hein, de l'action adjointe de G1, Gn, Bn-1, B1-1, appliquée à Vp. Hein, là, dit X, ça, ce gars-là, il s'écrit, quand je le fais avec Xp, c'est ça fois ce que je fais avec X. Et ça, maintenant, ben, qu'est-ce que c'est que ce vecteur? Alors, j'ai noté Wp. Hein, j'ai un premier vecteur. Dans ce vecteur, il y a deux moitiés. D'accord ? Il y a une première moitié, c'est G1, Gn. J'oublie l'action adjointe, là, hein, pour que ce soit plus clair. Donc, G1, Gn. Ça, c'est un mot aléatoire, c'est un produit de matrice aléatoire. OK ? Et puis après, il y a Bn-1, B1-1, Vp. Alors, celui-là, par contre, il dépend, il est fixe, quoi. Il n'y a que B qui compte. D'accord ? Donc, celui-là, je ne sais pas très bien comment il se comporte. On va voir dans une minute. Mais celui-là, il n'y a pas de problème, hein. Parce que... Dès que je donne un ensemble de grosses mesures, ben eux, ils dilatent tous. Et comme la fonction taux est égale à 1, depuis le début, hein, c'est important, c'est que la fonction taux est égale à 1, celui-là, ils vont tous dilater de la même façon, en exponentielle n. Hein, l'exposant de Lyapunov est égal à 1, et tout le monde dilate de la même façon. Il n'y a pas de fluctuation. C'est ça que ça dit, le fait que la fonction taux est égale à 1. Donc celui-là, la norme, essentiellement, c'est exponentielle n, au cran n. D'accord ? Donc la norme de ce vecteur, je la comprends très bien. Et la direction aussi, parce qu'elle est donnée par un vecteur VB. Hein, je vais écrire ça dans une minute. Voilà. Donc, la seule chose, donc, ça grandit en exponentielle n.
D'accord. C'est la norme est exponentielle n, et comme j'ai droit à un ensemble de mesures strictement positives de mots, et si je donne un vecteur, la plupart des mots dans mon ensemble de mesures strictement positives vont le dilater. Hein, puisque j'ai droit à toute la mesure qui me reste entre 1 moins 2 racine de alpha et 1,5, quoi. Donc je sais que je vais dilater les vecteurs en ma norme. Donc ça va grandir en exponentielle n. Donc la seule chose qu'il faut que je garantisse, c'est que ça ne tend pas vers 0. Voire que ça ne tend pas vers 0 plus vite que l'exponentielle. Mais la seule chose, hein, pour l'instant, j'ai juste dit, je prends n'importe quelle suite xp qui tend vers x. Donc vp, ça pourrait même être 0, quoi. Donc la seule chose qu'il faut que je garantisse, c'est que celui-là ne tend pas vers 0. Ok ? Et là, c'est une propriété linéaire, ça ne dépend pas de xp et de x. Donc j'introduis WB, c'est l'ensemble des vecteurs V dans l'algèbre de Lie, tel que Bn-1V tend vers 0. Donc c'est donc un sous-espace strict de l'algèbre de Lie. D'accord, c'est la feuille stable. Hein, les orbites de... Tout à l'heure j'ai dit que le VB c'était une partie de la feuille stable, la feuille stable complète c'est ça. La feuille fortement stable complète c'est ça. D'accord. Donc maintenant... Là, j'ai encore droit à effacer ça, là. Il faut juste... Hein, j'ai mon x. Hein, je suis... Là, de toute façon, B est fixé. Hein, je travaille par rapport à nub. D'accord. J'ai mon x, et je veux l'approximer par un xp. D'accord. Et quelque part, là, j'ai exponentielle de wb... x. Donc il faut juste montrer que je peux trouver xp qui n'appartient pas à cette feuille. Okay. Et ça c'est parce qu'il y a quand même une hypothèse. C'est qu'il y a l'hypothèse que nu de x n'est pas égal à 0. Hein, si nub de x est... si nub était une masse de Dirac, je ne pourrais pas faire ça. D'accord. Et donc je sais que nub de x est égal à 0. Voilà. Et c'est pas très difficile d'en déduire que nub de exponentielle wbx est égal à 0. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que si vous avez une mesure qui charge une feuille fortement stable, elle charge le point. Hein? À cause du théorème de récurrence de Poincaré, si vous aviez un peu de mesure ici, quand vous suivez la dynamique, ici ça se rapprocherait. Hein? Donc c'est immédiat par le théorème de récurrence de Poincaré, il faut juste l'écrire, hein? Mais c'est vraiment pas difficile, que comme vous avez ces points-là, ces points qu'on se rend, ça se rapprochait de x, et bien nécessairement le fait que s'il n'y a pas de masse sur x, il n'y a pas de masse sur sa feuille fortement stable. Hein, si vous avez un diffeomorphisme d'Anosov, vous avez une mesure qui charge une feuille fortement stable, et bien nécessairement c'est une mesure atomique. C'est une mesure atomique, c'est une orbite périodique. Hein. Ouais, c'est un exercice. Voilà. Donc du coup, à cause d'une... je ne l'ai pas utilisé encore cette hypothèse que nub de x était égal à 0. Donc c'est ici qu'elle sert. Vous savez que nub de x est égal à 0, vous en déduisez que nub de exponentielle wbx est égal à 0. Donc ça veut bien dire que quand je travaille pour un b fixé... Hein, eh bien, moi, ce que je dis, c'est que dans K1, hein, bêta x, quand je travaille dans K1, bêta x presque pour tout x, presque tout pour bx appartenant à K1, eh bien, comme la mesure de K1, là, elle est grosse dans la fibre, eh bien, puisqu'il n'y a pas de mesure sur la feuille fortement stable, ça veut dire que je peux approximer ici. Il existe une suite xp, telle que xp tend vers x, hein, et bxp appartient à K1. Mais xp n'appartient pas à exponentielle de wb que multiplie x. Voilà. Hein? Du fait que nub de exponentielle, ça c'est. Hein? Vous avez un ensemble de mesures nulles, donc vous pouvez approximer par l'extérieur. Quoi. D'accord. Puisque K1 est une mesure strictement positive, quand vous approximez, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc du coup, dans ce calcul ici, si je reviens là, je peux supposer que celui-là, il ne tend pas vers 0. Hein? Et maintenant, mes G1, Gn, ils vivent dans un ensemble de mesures minorées de points. Hein? C'est 1 moins 4 racine de alpha, ou je sais pas quoi. L'ensemble, la mesure, elle est uniformément minorée. Donc il faut que je réécrive hein, les propriétés de produit de matrice aléatoire. Hein, là, j'ai dit rapidement que c'était en exponentielle n. Je vais finir, hein, excusez-moi. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien écrire le fait que là, j'ai un vecteur, j'ai une suite qui tend pas vers 0. Et là, il faut bien que je dise que quand je lui applique ce mot aléatoire, ça va carrément faire grossir. D'accord. Pour un, ce que je veux ici, c'est vraiment atteindre une taille macroscopique pour ma petite dérive là, qui apparaît ici. Voilà. Donc, les propriétés de produit de matrice aléatoire que je veux, hein, je vais les écrire là. Je vais les exprimer avec la fonction taux, hein, pour que ce soit bien clair ce qui se passe.
Donc qu'est-ce que je vais dire? Là, je vais supposer que taux n'est pas forcément égal à 1, parce que, de toute façon, taux n'est jamais égal à 1, mais comme ça, on verra ce qui se passe. Donc la propriété, c'est que quand j'ai... je sais que pour tout epsilon strictement positif, là, c'est juste 1, il existe C plus grand que 1, tel que quand je regarde, tel que quel que soit N, quand je regarde la mesure de l'ensemble des G1, Gn, tel que, quel que soit N plus grand que 1, et quel que soit V, un vecteur non nul dans l'algèbre de Lie, là, j'utilise que l'algèbre de Lie maintenant est irréductible pour dire ce que je vais dire, tel que la norme de G1, GnV, divisé par l'ordre V, c'est égal à une constante à C près, hein, à une constante C près, à exponentielle. Ah oui, alors je vais pas dire comme ça, excusez-moi, puisque là il y a la fonction taux qui apparaît. Alors je vais regarder, pardon, excusez-moi. Hein. Je vais regarder bêta de l'ensemble des B dans B, tel que. La norme, alors il faut l'écrire dans le bon sens. Putain, c'est vachement dur. C'est G1, GN là? Pourquoi c'est dans ce sens-là? Ouais, ouais. J'ai envie de dire quoi? Il faut que ce soit... Alors, je vais le dire comme ça. Je vais pas mettre la fonction tout. Excusez-moi. Hein. Donc, je regarde. Mu tenseur n, excusez-moi, hein, désolé, de l'ensemble des G1 Gn, tel que la norme de G1 Gn. Appliqué à V. Voilà, j'essaie de garder les mêmes symboles hein, des deux côtés. Un V, c'est le vecteur. Il y a un bout que je ne contrôle pas, mais il y a le bout que je contrôle, c'est quand je commence à appliquer G1, Gn. Ce soit plus grand que 1 sur C, la norme de G1, Gn. Hein, c'est essentiellement des calculs qu'on a déjà fait. Hein. Ça, c'est plus grand que 1 moins epsilon. D'accord. En général, quitte à rajouter une constante, hein, ça, c'est le fait que la mesure stationnaire, vous savez, ne charge pas de sous-espace vectoriel. Hein. On avait automatiquement déduit des propriétés comme ça. Donc ça va nous permettre. Hein, on sait que la norme, ce que je suis en train de dire, c'est que la norme de ce vecteur, la norme de ce truc, c'est à peu près, hein, puisque j'ai droit, hein, je vais prendre epsilon très très petit, et je sais que j'ai droit à une masse strictement positive de GI. Donc je peux toujours choisir le GI de façon à ce que la norme de ce gars, ce soit la norme de V1 Vn fois la norme de Bn-1, Bn-1 Vp. Et puis celle-là étant pas vers le zéro. D'accord ? Donc ça, c'est une première propriété. Et puis maintenant, j'ai un vecteur, bah, je veux contrôler mon vecteur. Donc je veux savoir contrôler sa norme, ça va me servir à assurer ici que je suis entre epsilon et C fois epsilon. Hein, que j'ai un gars qui a une norme non nulle. D'accord ? Et puis maintenant, il faut que je contrôle sa direction. Hein, je veux que mon vecteur, il soit dans le groupe V0. OK ? Et donc ce que je vais dire ici, c'est qu'il faut que je contrôle la direction. Et donc là, je vais dire aussi qu'il existe un N0, d'accord ? Tel que pour tout n plus grand que n0, quand je regarde mu tenseur n et pour tout vecteur v et w, hein, quand je regarde mu tenseur n de l'ensemble des g1 gn, tel que la distance entre g1 gn appliquée à la droite engendrée par v et g1 gn appliquée à la droite engendrée par w soit plus petit que epsilon, ben ça c'est plus grand que 1 moins epsilon. Donc ce que je dis c'est que, hein, quand j'ai un vecteur, ben j'ai tendance, la façon dont je le dilate, c'est juste la norme de la matrice, d'accord ? Et là où j'ai tendance, quand je prends deux vecteurs, ils ont tendance à aller au même endroit. Ok ? Alors maintenant ce que je vais faire, hein, c'est qu'ici, j'ai plus de place, je vais effacer l'énoncé de la proposition. La distance dans le projectif, hein, c'est des droites. Hein.
Hein, donc ça, c'est juste les traductions hein, dans les notations qui sont ici de tout ce qu'on a fait sur les produits de matrice aléatoire. Hein. Donc je regarde ce vecteur-là. Moi, ce que je veux contrôler, c'est G1, Gn. D'accord. Donc maintenant, je sais que la norme de ce vecteur, c'est à peu près la norme de G1, Gn fois la norme de Bn-1, B1-1, Vp. Mais je peux aussi appliquer la même propriété quand je replace le vecteur V hein, par la droite VtNb. D'accord hein, la droite hein, où je suis arrivé quand j'ai tué la droite ou le sous-espace, hein, le sous-espace que j'appelais VtNb. Donc je sais aussi, ça va tout de suite me donner que pour beaucoup de mots, cette quantité est de l'ordre de l'exponentielle de la somme qui m'intéresse. Hein? Puisque ça, pardon, c'est pas vrai. Hein, c'est de l'ordre d'une somme de Birkhoff, c'est là que tout est là. Hein? Pardon, excusez-moi. La façon hein, dont G1, Gn agit sur cette droite, d'accord ? On la connaît, si je fais agir G sur la droite VB, eh bien, il va agir par multiplication par exponentielle taux de GB. OK ? Donc, si j'applique ça, mais avec TNB, ce que je récupère, c'est quelque chose qui est taux de G1 Gn TNB plus taux de G2 Gn TNB plus blablabla plus taux de Gn TNB. Hein? Cette formule me donne la norme de G1 Gn pour la plupart des mots. D'accord ? À cause de la relation d'équivariance. Hein? Le fait que si vous faites VG TB, c'est G VTB. Et le point ici, c'est que j'ai supposé taux égal 1. D'accord ? Donc vous savez que cette norme, c'est exponentielle n. Donc c'est pas gratuit, le fait que j'ai supposé taux égal 1, c'est pas seulement une simplification, c'est qu'il va falloir changer les choses quand taux n'est pas égal à 1. Hein. Donc la norme, et en particulier la norme ne dépend pas des GI. Hein. Donc ces mots-là, ils ont tous la même norme. Et puis maintenant, en appliquant la même chose à la droite engendrée par V et à la droite engendrée par TNV, je sais aussi que la plupart du temps, la distance entre la droite engendrée par ce vecteur que je vais appeler WP, là, et V de G1, Gn, TNB, elle est très petite. D'accord ? Donc là, je récapitule, hein, c'est un peu compliqué. Grâce à ma formule d'espérance conditionnelle, j'ai un compact K1 où j'ai envie d'envoyer des gens. Grâce à ma formule d'espérance conditionnelle, hein, que j'ai appliqué en un point X et en un point XP, j'ai réussi à y envoyer deux bonhommes hein, et qui diffèrent d'une petite translation. Et quand le temps grandit, cette translation, elle a tendance à se coucher dans une direction qui est exactement la direction que je veux. Hein, que la direction, c'est une direction du type VB. Parce que c'est ça les VB, c'est des feuilles fortement stables en fait. C'est fortement instable. C'est les directions dans lesquelles on a tendance à aller le long de la dynamique. Donc la direction qui apparaît a tendance à se coucher. Et la norme, je la contrôle, elle dépend de rien. OK ? Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je sais que si je fais ça, ça ne tend pas vers zéro. Donc quand je le multiplie par exponentielle n, il y a des valeurs d'adhérence aussi grandes que je veux. Hein, moi j'ai envie de rendre la norme macroscopique. Il ne faut pas que la norme soit immensément grande, il ne faut pas qu'elle soit immensément petite. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, hein, je choisis un n tel que ça, ce soit dans un intervalle epsilon, c fois epsilon, un np. Okay. Et ça c'est possible parce que la mesure est à support compact. Parce que quand je change de bi ici, j'applique un élément qui vit dans un compact. Et donc, entre deux crans ici, la différence est bornée. C'est ça la constante C. Entre deux crans de cette suite-là, quand n bouge, quand je n'ai pas mis de p, quand je fais grandir n, au début pour n égale 1, j'ai la norme de Vp qui est tout petit. Et puis maintenant, je fais grandir n.
Je sais que ça tend pas vers zéro. Donc comme là, je multiplie par exponentielle n, je sais qu'il y a des valeurs une valeur d'adhérence qui est l'infini. Mais comme je me balade avec des sauts bornés, ça veut dire qu'à un moment, je tombe là-dedans. D'accord ? Donc je sais qu'il y a un NP qui vérifie ça. Okay ? Et nécessairement, comme VP il tend vers zéro, le NP il tend vers l'infini. Nombre de mots que je suis j'ai un GN là que je suis obligé de rajouter, ça tend vers l'infini. Donc nécessairement ici, mon vecteur, comme ça, il va se coucher. Hein, puisque là, le N0 qui apparaît là-dedans, il est grand. Hein, donc je peux arriver à me coucher vers cet espace-là. Hein. Et comme tout est continu sur tous les espaces, que tout, c'est des gens qui sont dans K1, où l'application B de VB est continue, qu'au départ, XP il tend vers X. D'accord ? Hein, par construction, l'application pi, comme elle est que mesurable, elle a la même valeur en tous ces points-là qu'en x, qu'en bx. D'accord ? Et donc maintenant, comme xp il tend vers x et que je me suis passé à un endroit où l'application est mesurable, les gens que je récupère à la limite, ils sont tous égaux. Ça va, continue. Hein, comme tout est continu, je travaille dans des compacts où tout est continu, je passe à la limite. Hein, et ici, ce que je dis, c'est que pi de bxp, il tend vers pi. Quand P tend vers l'infini, par continuité, il tend vers pi de bx. D'accord ? Mais pi, mon point, là, j'ai mon point. Mon point B1, mon point, pardon, G1, Gn, Tnb, G1 moins 1, Gn moins 1, non, c'est G1, Gn, Bn moins 1, B1 moins 1, x, l'application pi, elle a la même valeur en lui qu'en bx, puisqu'elle est que mesurable, pi. D'accord ? Donc l'application pi, elle prend la même valeur là que là. Okay ? Et puis si je mets xp, là, hein, si je mets xp, l'application pi du même truc, elle a la même valeur que pi de bxp. Ok ? Maintenant, tous ces gars-là, ils appartiennent à K2. Ils appartiennent à K1. Où l'application pi, elle est continue. Je passe à la limite. Hein? Et puis là, j'obtiens un mec qui se rapproche de ce sous-espace vectoriel. Donc lui, il va tendre vers un certain B', hein, en passant à la limite. Mais comme l'application B donne VB, elle est continue sur K1, c'est bon. Okay. Donc j'ai exactement terminé. Hein. Je ne sais pas si je vous écris pas tous les détails, mais c'est, voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein? Si je vous prends encore une minute, j'ai terminé simplement formellement la démonstration de la proposition. Hein. Donc là, j'ai terminé l'énoncé de dérive, là, qui était un peu incompréhensible. Hein, donc je vous rappelle la conclusion, voilà, c'était ça, d'accord. Et maintenant, je vais appliquer ça à l'application que j'ai notée BX d'un XI BX. Et je vais noter E. Qu'est-ce que ce sera ? C'est exactement les ensembles que j'ai introduits quand j'ai parlé de mesures conditionnelles sur les groupes. J'ai dit, quand on a une mesure conditionnelle pour une action de groupe, il y a un ensemble E, tel que si j'ai BX qui appartient à E et phi U de BX qui aussi appartient à E, hein, à ce moment-là, et ben le xi de phi U de BX, c'est une certaine translation par U du xi de BX. Hein? J'ai dit ça quand j'ai construit les mesures conditionnelles. Donc c'est l'ensemble E que je mets là. Et maintenant, l'application pi, c'est l'application mesure conditionnelle. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça me garantit ? Je prends B'X'. Le xi B'X', c'est la même chose que le xi BX. Mais comme il diffère d'une translation, comme j'ai défini E comme ça, hein, c'est exactement ce que je vous avais dit. Hein. Je vous ai annoncé exactement ce qui allait se passer. C'est-à-dire que je viens de fabriquer deux points où l'application mesure conditionnelle prend la même valeur, et en même temps, parce qu'ils sont dans cet ensemble E où les mesures conditionnelles sont bien définies, etc., les mesures conditionnelles doivent différer d'une translation. Hein? Donc ça veut dire que la mesure conditionnelle, ici, le xi, hein, quand j'applique ça à l'application bx, ce que je suis en train de dire, avec les notations de la proposition, c'est que ce xi de b'x', il est égal à une petite à la translation par ce U là de xi de B'X'. OK ? Mais il est ici égal au xi de BX de départ.
D'accord. Donc ce xi bx, il est invariant par une petite translation. Ok. Donc maintenant là, on a, voilà, là on se rend compte qu'on a gagné un truc. Donc si vous voulez, je vous le fais formellement. Vous en avez marre, j'arrête ou plus personne suit là, j'ai l'impression. Hein, je veux dire, bon, je vous le fais à la main. Je vous fais à la main. Là, j'écris plus. Vous avez une mesure sur un espace vectoriel. Hein, donc j'ai un trou. Voilà. Bon, je vais écrire quand même un tout petit peu. Donc je retransmets ça sur les. Il y avait les xi bx. C'était des mesures sur l'espace modèle. Mais maintenant, il y a les rho bx qui sont des mesures sur l'espace VB. Hein. Je reviens à celle-là parce que c'est celle-là les bonnes mesures. D'accord. Et une fois que j'ai dit ça, ben, j'ai montré que rho bx était invariante par des translations arbitrairement petites de VB. Donc en particulier, son stabilisateur dans VB, sa composante connexe est non triviale. Hein. Et donc j'introduis VBx. Alors je confonds les groupes et les algèbres de Lie. Mais VBx, c'est exactement le stabilisateur dans VB. De rho bx, je prends sa composante connexe parce que je vais avoir des groupes, je vais appliquer Ratner ensuite, donc je préfère des groupes connexes. Hein. Et ça, ça me fait l'application B donne VBx que j'ai annoncé au début. Hein. Et comme tout est défini, vous voyez, de manière naturelle, sans faire de choix, tout est équivariant. Hein. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est que nu bx? Là, j'ai défini VBx, et fait que j'ai défini nu bx. Bah, j'ai une application hein, bx donne VBx, je prends les fibres. Hein. Si VBx. Si ce groupe, cet espace VBX là, il était constant de valeur VB, je serais en train de dire que nu B est VB invariante. Hein, j'ai dit, dire que la conditionnelle est la mesure de R, c'est dire que la mesure est invariante. Manque de bol, ici, la conditionnelle, ça pourrait être une partie, pourrait être invariante par une partie du groupe. Ben, qu'est-ce que je fais? J'éclate ma mesure le long des parties du groupe qui restent invariantes. Hein, donc c'est comme, à partir du moment où j'ai cette propriété, c'est un exercice de théorie de la mesure qui a montré que si nu bx, c'est la conditionnelle le long des fibres de cette application bx donne vbx, et bien elle est vbx invariante. Ça, voilà, là, c'est juste formel. Quoi. Il y a plus de, hein, le plus dur a été fait. Là, c'était un peu pénible. Mais, voilà. Donc à ce moment-là, on a cette propriété. Voilà. Et donc, un mot peut-être, et puis je vous laisse tranquille pour vous dire ce qui se passe quand taux n'est pas égal à 1. Parce qu'en fait, taux n'est jamais égal à 1 dans le cas réel. Hein. Et donc là, c'est assez standard ce qu'on fait quand taux n'est pas égal à 1. Ce qu'on a, vous voyez, c'est la géométrie, c'est qu'on a une dynamique qui a tendance à contracter des feuilles, mais la contraction n'est pas uniforme. Elle est donnée par cette fonction taux B. Hein. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on change le temps. Donc quand on a une dynamique qui ne contracte pas de façon uniforme, ben on peut changer le temps et on la rend uniforme. Alors une façon de changer le temps, hein, c'est de dire que vous avez votre dynamique qui est B, là, avec le décalage, vous avez une fonction. Alors cette fonction, c'est une fonction d'intégrale positive. Et essentiellement, ça se ramène au cas où c'est une fonction strictement positive. Formellement, c'est parce qu'une fonction d'intégrale positive est homologue à une fonction strictement positive. Et à ce moment-là, quand on a une fonction strictement positive sur un système dynamique, on peut faire la suspension par la fonction. C'est-à-dire quand j'ai un point x, entre x et tx, je rajoute un intervalle de temps dont la longueur, c'est tau x. Et je remplace ma dynamique par un flow, hein. Et le flow, le temps qu'il met pour aller de x à tx, c'est exactement le temps tau x. Okay. Et ça, c'est un petit truc qui a l'air de rien, mais tout ce que j'ai fait avec le Bernoulli, dans tout ce que j'ai fait, la formule pour l'espérance conditionnelle contre l'attribut Q, etc., tout ce que j'ai fait depuis le début d'aujourd'hui avec le Bernoulli, faut tout remplacer, non pas par le Bernoulli, mais par sa suspension par la fonction temps. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que si j'attaque comme ça, c'est monstrueux. D'accord. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que ça ne marche que dans le cas de taux égal 1, y compris l'usage de la. Mais toutes ces formules d'espérance conditionnelle, etc., elles ont un analogue quand au lieu de travailler avec comme base le Bernoulli, on travaille avec sa suspension par la fonction taux. Puisque c'est. Elle est homologue à une fonction. Une fonction L1, de toute façon, elle est bornée parce que la mesure est un support compact. Mais c'est très général. Tu as un système dynamique, ergodique. Tu as une fonction L1 d'intégrale strictement positive, elle est homologue à une fonction strictement positive. Hein, donc il y a un petit truc, c'est qu'en fait, si taux n'est pas positif, pour faire ce dessin-là, il suffit d'écrire taux égale phi moins phi rond t plus taux plus, avec taux plus strictement positive. Et ça marchera pareil. Il y a un jeu comme ça. Ça c'est classique aussi. C'est du form... En thermodynamique, ça apparaît tout le temps. Donc à un moment, on a l'habitude de ce genre d'horreur. Voilà. Et il y a aussi le θ. Donc θ, c'est un cocycle dans un groupe compact. Donc c'est pareil, quand vous avez un cocycle, vous avez une fonction θ de B dans un groupe compact K, donc il y a un système dynamique naturel qui apparaît. Hein, c'est le système B croix K avec BK
donne TB. Tout ça, c'est des trucs pour dérouler. On a des machins qui sont... C'est pour déplier, quoi. Ben, c'est pas grave, on remplace le système par le système θBK. Voilà. Et alors... bon, je vous le fais pas parce que vous allez exploser. Mais il suffit de travailler avec celui-là. Voilà, alors ça, c'est... Hein, on a un cocycle dans un groupe compact. On a une fonction qui devrait être égale à 1. Et ben on remplace par le système où on a intégré le cocycle à l'intérieur du système et fait la suspension par la fonction. Et alors, bon, ben, il faut tout remontrer. Ça marche pareil. Vous me faites confiance, je crois. Et tout ce qu'on a fait, il faut le faire en fait avec ce système-là. C'est-à-dire la suspension, on a ce produit croisé avec le groupe compact, on fait sa suspension par la fonction taux. Il faut remontrer les formules d'espérance conditionnelle, mais elles marchent pareil, il n'y a pas tellement de différence. Et ça va marcher. Voilà. Alors ça, c'est le cas irréductible. Ça rajoute pas de direction neutre, par le fait de rajouter comme ça un cocycle, et puis rajouter, de passer de l'application à la suspension. Ça rajoute donc des directions neutres dans la dynamique. Ça rajoute pas. Oui, mais c'est symbolique, tu vois, c'est juste au niveau des symboles, c'est pas au niveau de l'action dans X. Tu vois, parce qu'au niveau de l'action dans X, on avait cette propriété qu'on était multiplié par θ et contracté. Tu vois, donc c'est surtout ça qui compte. À du moment qu'on a la contraction, on se fout un peu qu'on puisse tourner en même temps qu'on contracte. D'accord. C'est ça, il n'y a pas de... Hein, le point, c'est qu'on contracte vraiment, quoi. Donc ça, c'est pas tellement gênant. Par contre... là où ça devient terrible, c'est quand la représentation n'est pas irréductible. Hein, parce que là, il y a plusieurs fonctions. Et alors là, parce que vous voyez, tout ce truc, hein, parce que tout ce truc, à quoi ça sert? C'est que je vous ai écrit une relation, là, j'espère que je l'ai encore gardée. Vous voyez, c'est que là, j'ai rajouté des produits G1-Gn où j'ai fixé le nombre de lettres que je rajoutais. Mais en fait, je me fous de fixer le nombre de lettres. Ce que je veux fixer, c'est cette quantité-là. Hein. Et quand je fais la suspension, c'est ça que je dis. C'est qu'en fait, je rajoute des lettres et je vais laisser flotter le n. Hein, mais en fait, parce qu'au lieu de regarder le temps, qui est le nombre de coups que je fais par la dynamique, je vais faire le temps que j'ai parcouru sur le flow. Donc le nombre de fois où je serai revenu sur la base, c'est le n, là. Et lui, il va se mettre à bouger, à dépendre, mais on s'en fout un peu. Parce que par contre, ce qui ne va plus bouger, c'est cette somme de Birkhoff. C'est exactement ça, faire la suspension. C'est que j'aurais fixé la valeur de cette somme de Birkhoff. Hein. Ce qui va faire que tous mes raisonnements avec l'exponentielle n, bah, c'est la valeur fixe de cette somme de Birkhoff que je vais regarder, ça va marcher pareil. Hein. C'est ça le point en faisant la suspension. Et alors par contre, quand il y a deux fonctions taux, bah, on ne peut plus faire ça. C'est parce que ici, ce que je suis en train de dire, c'est que si je travaille avec une seule fonction taux, quand je me balade sur B, je fais des sommes de Birkhoff de ma fonction et elle est d'intégrale positive, donc elle tend vers l'infini. Donc si à un moment je veux qu'elle soit très grande, je vais y arriver. D'accord ? Tandis que quand vous avez deux fonctions taux, quand vous faites ces sommes de Birkhoff qui apparaissent sur chacune des composantes, bah, vous avez une marche aléatoire qui part à l'infini. Si vous donnez une cible, vous n'êtes pas sûr de l'atteindre. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va falloir regarder simplement, on va conditionner tout, on va faire en conditionnant le fait de taper la cible. Et ce qu'on perd, c'est ici, c'est qu'au lieu de travailler avec tous les mots, hein, dans ses propriétés, on va travailler avec des mots, mais où j'ai demandé à chacune, il y a deux fonctions taux, il y a deux représentations irréductibles, et j'ai demandé que la fonction taux tape dans une cible. D'accord ? Et donc, au lieu d'avoir un ensemble, l'ensemble de tous les mots, au lieu d'être de mesure 1, il y a une mesure très petite. Mais c'est un peu indépendant, parce que vous voyez ce que j'ai demandé, c'est quelque chose... Là, j'ai demandé que les mots grossissent un vecteur donné, et tandis que là, je demande que les mots aient une norme donnée. Donc on a envie de dire que c'est deux informations indépendantes. Donc et c'est ce qu'on va montrer, c'est-à-dire, donc ça nous a pris 2 ans à montrer ça, à comprendre que c'était ça qu'il fallait montrer, puis à le montrer, que ces propriétés, elles sont encore vraies, exactement les mêmes, le même énoncé, mais au lieu de prendre tous les mots, on regarde tous les mots, et on regarde la proportion de mots qui vérifie ça, parmi ceux auxquels on a imposé de taper une cible pour la norme, d'avoir une norme donnée ou des choses comme ça. Et les mêmes propriétés restent vraies. Pardon ? C'est une fraction très petite. C'est une fraction très petite. Mais tu vois, tu demandes à la matrice d'avoir une taille. Tu vois, tu demandes que la norme, que cette norme qui apparaît ici soit fixée. Tu vois, dans un petit intervalle. Et tu regardes, parmi celles qui ont une taille, tu vois, c'est un peu indépendant. Tu te dis finalement, fixer la taille de la matrice et fixer, tu vois, les mots qui ne marchent pas pour V, c'est le vecteur instable. Tu vois ? Et fixer la taille, fixer le vecteur instable, tu vois, les matrices sont aléatoires, tu as envie de dire que c'est indépendant. Et elles sont asymptotiquement indépendantes, c'est bien ce qui se passe. Voilà. Donc, mais ça utilise pas mal de théorèmes limites de Probus. Là, dans tout ce que je vous ai raconté,
J'ai juste utilisé la positivité du premier exponent de Lyapunov. Voilà, bon, je suis désolé, j'ai encore débordé. Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'au bout. Voilà.